Allô. Allô. Et bonjour. Et bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Bien, et toi? Très bien, très et bien. Bah, ça va bien. Est-ce que vous les entendez bien, l'audience? Magnifique. Ah. On joue au Gothi. C'est ton Gothi? c'est un de mes Gothi, ouais. En vrai de vrai. Bah, en vrai, la 1.0 était très attendue, je crois. J'adore ce Beaucoup jeu. De gens qui kiffent ce jeu. Bah, il est trop bien. C'est vrai. Ah bah écoutez, moi j'y ai jamais joué donc. Pareil, j'ai 3 minutes de jeu pour faire les touches, voilà. Ah merde, moi j'ai même pas fait les touches moi. C'est un début. C'est un début. Après les touches sont assez claires. Hein. Juste pour vous rappeler que le jeu du coup sort en 1.0 dans 2 jours, je crois. Là on va pas jouer à la 1.0, il me semble. On joue à la 0.9.9.9, je crois. L'early access. Mais, du coup. Ouais, mais le 27, donc mardi, la 1.0 sort donc voilà. Oui. Jeu de fou. Ah oui, je me suis trompé, attendez. Ok, je crois que j'ai fini les réglages. Alors, sur tout est good, magnifique. Juste, moi, faut que je refasse. Alors, est-ce que quelqu'un veut host une map ou pas? Attendez, si t'es chaud, host. Ouais. Que je le fasse, ouais. Ah, du coup, il faut faire quoi comme touche? Attendez. Alors, je pense que non, les touches sont normales. C'est juste, moi, je suis gauchère. Il faut que je change toutes les touches. J'ai la souris à gauche. Je crois que les touches sont correctes hein, aussi. Hein. Normalement, c'est des touches normales. On est dimanche. Ouais. On est dimanche. Exact. Je suis pas sûr des jours. On joue en mode difficile ou non? Standard. Alors. Standard. Peu, hein, mais. On vous garantit rien avec chipset, voilà. Standard, tranquille. Moi, ça me va de commencer en difficile, mais. Oui. Tu sais pas à quoi tu t'attaques, quoi. Ah ouais. ok, bah je prends un perso qui n'a pas de stuff et tout, qu'on peut prendre des anciens persos sinon. Ah oui. Ok. Et je vais prendre un perso tout neuf comme vous. Ouais, il le conseille au niveau des mages et tout. Je crois qu'il conseille pour la 1.0 de reprendre à 0. Moi je prends un perso de pastel parce que sinon il va trop carré, je pense. Bien sûr, ouais, totalement. J'ai à peu près 400 heures sur le jeu donc. Ouais, à peu près. Bien sûr. Plus même, tu m'avais dit. Plus. Ouais, c'est vrai, 450 je crois. 405, oui, ben ça joue. T'as bien formé quoi. En vrai, vous jouez un peu à des jeux genre Terraria, des trucs comme ça? Non. Non, pas trop. Je suis une jeu FPS à la base, non? Ah bah là, il y a du FPS là. Ah ouais? Le premier degré. Bah, vous? Ah mais moi je suis giga naïve, moi. Tout ce qu'on dit, je le crois. Rien à voir. Faut pas donner cette information. C'est vrai. Peut-être compliqué. Non, mais globalement, pour pitcher, voilà, on va être dans une mine, on va devoir se défendre. Il n'y a pas vraiment d'ennemis autour de nous au début, mais on va aller dans des zones où il y a des ennemis, donc le but c'est de ramener un peu de minerais pour se crafter des armes, du truc. Enfin, c'est du classique, mais en fait, le jeu a beaucoup de contenu. Et c'était déjà assez polish en early access, donc bien hâte de voir ce qu'il prépare pour la 1.0. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Magnifique. Je vais me faire juste un petit perso beau gosse là. Ah, faut faire les... On doit préparer nos persos à l'avance pour rejoindre le serveur, ou je crois que non, c'est quand on va rejoindre qu'on va nous demander quel perso on veut, je crois. Oui, en fait, quand vous allez rejoindre le serveur, il va demander quel perso vous voulez jouer. Ah voilà. Mais on peut le faire là. Mais ouais, parce que. Vous pouvez le faire après. Mais je vous montre ça dans une seconde. Ok. Ok. Juste, est-ce qu'on doit savoir sur Steam? Je pense que oui. Ah, c'est possible. Oh, c'est ce que je préfère, moi, après, la création de perso. Et on ne sait pas sur Steam, on n'est pas amis. On n'est pas amis sur Steam? On n'est pas amis. Ça passe que par la friendlist. Bah après, rejoindre la partie, je peux juste... Non, on peut saisir l'ID du jeu. Une fois que t'as le serveur, je pense que tu vas avoir l'ID, on va pouvoir te rejoindre avec ça. Fait, je l'ai, je vous l'envoie. Ne le liquez pas, pitié. Ah, pas trop, oui, bah, pas trop envie d'être ami avec toi. Ce serait bête. C'est grave de dire ça en live. Je l'aurais très mal pris. Sympa. Mon perso, il est grave mims. Surtout qu'on l'est déjà. Ou pas. IRL, ou... Vous voyez mon sur visage, Steam. Bien sûr, le temps que je mette le code. Est-ce que ça marche? Ah, mais en plus, ça fait des étoiles magnifiques. Est-ce que ça marche? Parce que si on leak malencontreusement le code, oui. Tout le monde rejoint notre partie? C'est la teuf. Je vais faire attention alors. Ce sera tout simplement la grosse Darka avec un maximum de viewers. Et en soi, ça marque des petites étoiles quand t'écris les lettres, donc ça va. Mais... Ah, c'est vrai? Non, ouais. C'est bon. C'est bien ça. Alors, bonne nouvelle, ça. Fais voir. Sélectionner un personnage. ID de DFG. Ok, ah, c'est bien ça. Je t'avais déjà joué pas mal, non? J'ai joué, je sais plus, ouais, 10-15 heures, je sais plus, un truc comme ça. Oui, oui, ouais, pareil. Mais à l'époque, je sais plus, t'avais deux biomes, enfin, c'était pas. Il y avait pas grand chose encore. Ah, il y avait un boss ou deux, ouais. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, les endroits rajoutés. Alors, il y a pas mal de tiers de trucs à faire, mais je pense qu'il manquait. Enfin, j'ai joué il y a 2 ans, je crois. Ouais, moi je joue en mars 2022. Ah oui. Moi, c'était il y a longtemps aussi. Hein. Si je regarde mes anciennes VOD sur le jeu, l'accès a bien duré. Hein.
En même temps, c'est le genre de jeu où bah, c'est des devs indés et rajouter autant de trucs, ça prend du temps. C'est pas mal. Keeper, hop. Ils ont pas de cheveux rouges. Ça, hein. En plus, les VOD avaient grave fonctionné. Hein. Les gens ont kiffé le contenu. Hein. Gros buzz. Ah ouais, gros buzz. Hein. Ça repart en gros buzz là. Allez, 30 novembre 2022, donc ouais, ça date. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. En effet. Bah, tu as joué après moi, donc t'as dû avoir quand même des trucs en plus. Ouais, je crois que j'avais un truc en plus. Les gens déjà à l'époque me disaient que t'avais beaucoup joué. Ouais, il y a un genre de classe. Ouais. Ah. Une profession, ça donne un petit bonus. Des styles de combat. Ouais. Sachant que vous allez avoir plein de compétences à level up. Il y a minage, course, corps à corps, distance, artisanat, vitalité, jardinage, pêche, invocation, magie, ce genre de choses. Voilà, ouais, il y a pas mal de choses. Donc il y a du boulot. Mais le début, je crois que ça donne juste un petit bonus, mais c'est pas facile de terminer ça. Ah, tandis que dans le Discord, on me demande chipset. Bon, la chipset ne veut pas être hors la loi. Ouais, ah oui. Tu ne veux pas faire des trucs hors la loi. Ouais, parce que là, tu sais, elle va au tribunal, faire là, des là. Modifications de type. Des modifications de collaboration. Ouais. Mais ça, c'est dans le titre normalement. Oui, mais dans le titre et aussi à l'écran. À l'écran. Pour être sûr. Maintenant, t'es obligé au titre, écran, partout. Si tu bah, peux je l'écrire. Pas, sur, je les mets, sur je les mets en tête, sûr. Bientôt, ouais. Ce sera sur notre visage. Ah, j'ai envie de l'écrire sur mon front. Ah bah tu peux, hein. N'hésite pas, ça marche. On l'a déjà fait, hein. Ah, okay, c'est... Mais j'ai... Ça s'est lu. Okay. Hein. Tu l'as fait, toi. Ok, attends. J'envisage le tatouage pour l'avoir à vie. Et pouvoir le montrer incessamment sous peu, genre sur le bras, comme ça. Ouais, je trouve que ça a du sens. Ça voudrait dire qu'il faudrait constamment avoir le bras levé. Quand après, j'ai envie de dire, t'es pas dans l'illégalité, puisque de toute façon, DFG n'a pas créé le serveur. On a toujours quoi, pas mais bien sûr que si. Bah, il est où le serveur? Mais il y a le code. Ah putain, mais il y a le code. Oh, il me. Oh. Ah non, mais. C'est grave de non, me mais j'ai pas vu, comme j'ai ça. Pas vu. Je suis désolé. Oh, tu me shame, tu me shame. Ah, je suis désolé, non, mec, je tu sais quoi, j'ai pas. Envie de te le dire, il y a aucun lézard. C'est vrai. Aucun lézard. J'ai jamais vu aussi peu de lézards. Des geckos? Bah, moi, là où j'habite actuellement, il y a pas mal de geckos en vrai. On dit pas gecko en vrai de vrai? Je sais pas. Gecko, non gecko. Ah, c'est... attendez, on parle de. Non, d'un on jeu, parle de l'animal, pas de Valorant. Ah, l'animal. Après. C'est intéressant, je crois. Oh, pardon, vas-y, je te laisse finir. Pardon, pardon. Désolé. Non, c'est moi. Non, non, je disais que ça se disait pareil, c'est un gecko de base. Hein. Il me semble. C'est pas gecko la prononciation. Je crois que c'est gecko. Demandez au chat. C'est gecko. 7 gecko, on me dit. Comment va Marifir. Je crois que la difficulté de notre personnage. Fort bien. Et indépendante des uns des autres. Merci Augustin. Lorsque tu crées un perso en hardcore, beaucoup. Les autres seront pas en hardcore Est-ce spécialement. Que je suis, oui. Mais je vous les conseille de faire hardcore. Oui, non, moi non plus. Non, non, j'ai fait standard du coup et pour bien. Être sûr. Alors le mais... seul problème, c'est qu'en fait, vu que vous mettez du temps à me rejoindre, mon perso est en train de mourir de faim. Donc si vous ah ouais, fort bien. Attends, je crée mon perso. J'arrive. Là. Je choisis bah moi, cheveux. Je suis en train de créer ma collaboration commerciale. Moi, je dépéris, donc si vous pouvez m'aider en fait, s'il vous plaît. Ah, j'ai une cinématique. Perso en train de mourir, j'ai faim. Trop bien ça. Les yeux marrons, une belle chemise, et un beau pantalon, de la couleur de mes cheveux. Je meurs. Profession. Oh, je serais bien ranger, moi. Aidez-moi, je vais mourir. Mais je crois que l'arc, ça met 15 ans à arriver, non? Ah, ça va non, longtemps non, ça va vite. Oh. J'arrive, j'ai une cinématique. Vous faites quoi, du coup, vous? Je vais peut-être faire un mage. Mais j'ai fait un ranger. Ok. Allez, votre classe elle est pas forcément très importante au début. Ah ouais, ok. En fait, ça vous donne juste quelques points de départ, mais vous pourrez quand même tout avoir sans problème. Jure, salut. Oh, je me vois pas encore. Je vois que toi. Ça brille. Ah bon. Alors. Ou alors c'est moi. Non, non, je viens d'apparaître. Ok, c'est bon, je suis prêt. Magnifique. Je peux pas bouger. Ah si, c'est bon. T'es arrivé mais en first. Je te donne un objet. Oh, incroyable. Ma grande sympathie. En fait, juste que j'ai quelle tout générosité. J'avais rien à faire, je mourrais. Ah oui, effectivement. Alors, comment est-ce qu'on meurt pas? Ouais, re. Alors, en haut à gauche, ta vie et ta nourriture. Mm-hmm. Faut pas que les deux barres tombent à zéro, en gros. Oui, simplement. Jusque-là, tout va bien. Voilà, on va faire des pioches pour taper les murs. Taper les murs, ouais. Simplement. Mm-hmm. Ou des PL, c'est pas... le but, ça va être d'aller un peu explorer, tu vois, en dehors de ta map. On va devoir explorer un petit peu tout notre univers. J'ai pas les touches.
Faut que je passe en clavier. Par exemple, là, si on se met là, si on se colle ici, à droite, on voit que ça scintille. Très loin à droite, je passe, tu vois. Ah oui, oui, effectivement. Ça veut dire qu'il y a un point d'intérêt ou une nouvelle grotte, on va dire. Point d'intérêt, ok. Moi, je tape les murs, moi. C'était juste des minerais. Je... Attends, mais j'ai déjà un arc. Ah, je commence avec un arc parce que je suis ranger. Pourquoi je brille pas, moi ? Ça tremble. Pourquoi y'a que toi qui brille ? Tu m'as volé ma fourchette ! Alors, ça, c'est du bois, tu peux prendre du bois. Tu peux taper le bois, c'est du bois. C'est des genres de race. Très bien. Je prends le bois. Il se fait voler sa fourchette, l'autre, là. Je me suis fait voler ma fourchette ! Mais pourquoi tu es une torche humaine et pas nous ? Moi ? Je suis dans le noir ? Oui. Ah, vous voyez rien ? Parce que moi, j'ai pris l'explorateur qui commence avec le Ah ouais, le malade. Très bien. Je suis peut-être à la fin, sprite de fou. Magnifique ton perso. Merci. Je sais plus comment on craft. Ça m'a fait très rire, la petite coiffure Calvas. Il faut du bois pour faire des torches. T'arrives pas à avancer ? Parce que tu dois être en QWERTY ou en AZERTY, là. Tu crois ? Pardon, ouais, je t'ai volé, hein, mais... Oh, c'est sûr, moi je viens de passer mon clavier en QWERTY, là. Après, tu peux aussi refaire tes touches. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de touches en conflit avec Z et Q. Ah oui, c'est bon. Non, mais c'est bon, vous avez des torches. Le bois, c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc là, du coup... J'ai volé toutes les torches, hein, pardon. J'ai vu qu'elles étaient par terre. C'est pour vous. Là, le but, bah, c'est pour l'instant d'essayer de se faire au moins un truc qui nous permet de survivre dans le sens où il nous faut de la bouffe et une petite base. Quoi. Okay. Et après, on craft pour explorer globalement. C'est un jeu d'exploration. On a craft. Des minerais ici. Minerais de cuivre, minerais de base. Et donc, moi, je suis un stressé de la vie, donc je vais vous ranger tous les matériaux dans la base. Le point truc qu'on peut faire, c'est qu'en fait, vu que là où on a commencé, en fait, vous avez vu un noyau, le corps. En gros, ce truc-là, il est relié à des petits hôtels, vous pouvez bien les voir si vous voulez. Ouais, je finis le clair. Les petits hôtels ici, vous pouvez interagir avec et ça va vous dire en gros le nom d'un monstre et des emplacements avec, vous voyez. Donc, en gros, l'objectif premier pour nous, ça va être de trouver les monstres en question. Qui sont et d'éviter. Et relier leurs âmes, on va dire, à notre noyau pour l'alimenter. Ok. Merde, j'ai fait de la merde. Oh, c'est bon. Sachant que du coup, on peut là très bien tout éclater autour de la. Autour du noyau, parce qu'on peut dire que ça va être notre base et qu'on va essayer de construire autour d'ici. Exactement. Pourquoi c'est on a un champignon chez nous là ? Tu le tapes là ? Oui, j'avoue. Fumez-le ! Allez, bah, il y a des monstres, hein, évidemment. Évidemment. Mais pas tout seul. Je vais commencer à faire des coffres, moi, qu'on puisse ranger nos le merdier. Nos compétences, elles sont où après ? On a des compétences ? Ouais. Ouais. En fait, tout ce que tu fais dans le jeu remplit une barre d'XP, même le fait de courir, je crois. Ouais, ah ouais. Appuyez sur tab et aller tout en haut à droite dans l'étoile. Ouais, c'est ça. Étoile, t'as des niveaux en extraction, des niveaux en course, en corps à corps, en vitalité, en artisanat. Et en fait, tu montes tout juste en faisant l'action en question. Quoi. Okay. Par contre, on a faim là. Attends, je suis en train de crever de faim là. Ouais. J'ai mon bonnet de paysan, je vais mettre ça. Mange ton bonnet, je pense. Ah oui, je peux pas malheureusement manger mon bonnet. Comment on fait Qu'est-ce pour manger se mange ton chapeau. Faut trouver des trucs à bouffer. Le champignon peut être mangé par exemple. J'en ai là si vous avez besoin. Ouais, le champignon se mange. Pardon, je vous en remets par terre, my bad. Mais comment on fait pour le manger ? Tu l'équipes, clic droit. Ah, clic droit. J'ai des baies okay. aussi, ça se mange ça ? Ouais, ok. Okay. Tous ceux. Enfin, tu peux interagir qu'avec les trucs qui sont dans ta barre, je crois. Oui ! Pourquoi y'a pas de lumière là ? Y'a des nouveaux trucs là, c'est quoi ça ? N'hésitez pas à mettre beaucoup de torches. What ? Ah, on va les poser par terre. Le tome des ténèbres. Ouais. Ah, invoque oui. une chauve-souris. Attends, mais c'est une folie ça. Ah, oula. Ouais, je suis occultiste et du coup j'ai une chauve-souris. Je suis un seigneur des ténèbres. Voilà. Mais comment ça se fait que j'ai ça moi aussi ? Je balance des boules de neige moi. J'espère que je l'ai pas volé à quelqu'un le tome des tu ténèbres. Tu m'as volé ma chauve-souris ? C'était pourtant, ma tu l'as en même temps donc c'est bizarre. Oui, c'est vrai. Est-ce que il y a le friendly fire ? Normalement non. Je pense pas. Attends, fais voir. Il me semble pas. En vrai, test. J'ai un bonnet de paysan si vous voulez là. Non, ça va. Je balance des boules. Ah, moi aussi. Moi j'ai rien du tout, j'ai pas encore miné. On va mettre ça là. Je fais un peu de lumière chez nous. C'est quoi ça ? Pardon, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je vais commencer à faire un endroit où on peut se mettre bien là. Tu veux une capuche de ranger, chiche ? Ouais, capuche de ranger, je suis chaud. Ouais. Je pense que c'est pour moi ça. Ouais. Ah, mais j'ai mangé quoi là ? J'ai mangé une torche, je suis un malade. Ah, bravo. Ah, mais j'ai des rations de nourriture moi aussi. Ah, bon, mais t'as tout en fait en tant que ranger. Peut-être parce que je suis le ranger, du coup j'ai des rations. Je pense j'en avais aussi en explorateur. Ah ouais ? Parce que tu dois avoir quelques places qui commencent avec. Tu dois avoir des stars. Ouais. J'essaye d'ouvrir c'est ma du sable, ça le honte. C'est du sable, ça. Je sais pas. Il sable, c'est. Je hais le sable. Il s'infiltre partout. Des... Il y a un verre de terre dans le sable. Ah oui, c'est du sable. Comment vous faites des torches des outils. Ah, les torches avec du bois. Ah, il faut la craft Ouais. Ouais. Ah, tout.
Il te faut du bois. Ok. Et tu cliques droit sur le truc de craft et normalement ça fait tout ce qu'il faut. Et en fait après le principe c'est que là en artisanat tu peux que faire genre pioche, pelle et tout au début. Mais après on va faire une table d'artisanat établie de base là et avec ça on pourra craft bien plus de trucs. Mais je comprends pas comment on craft. Quand tu fais tab, tu vas sur la torche et tu fais clic droit dessus. Mais faut que tu aies du bois sur toi du coup. Si t'as pas de bois, tu pourras rien faire. Bah j'en ai, je crois, j'en ai 7. Ok, bah du coup mais normalement si tu fais clic droit, Ah, bizarre. Attends, je dis de la merde, c'est pas clic droit. Clic dessus juste. C'est un bloc de terre que j'ai. Comment très bien. Du bois. Il n'y avait plus le bois, faut en trouver là. Non, on a tout pris. Faut commencer à explorer un peu. Ici, à l'ouest de notre base, donc à la sortie gauche, il y a vraiment beaucoup de bois. Je vais en ramener là. Ok, je vais en prendre. Le bois dans ce jeu, il ressemble un peu à des racines par terre, genre, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. On dirait plus une sorte de lierre boiseux que du bois, genre, c'est pas vraiment un arbre. Oh, un champi. Ça fait sens. Je trouve. C'est une citrouille, ça. Attends, je suis mort. C'est pioche un piment bombe. Eh, hey, il fait mal, lui. Une pelle. J'ai la capuche de ranger dans un coffre, je vais voir ce que t'en penses. Yes, non mais je prends, hein. Tu vois. Est-ce qu'on a l'accès au coffre en même temps? Merde, nager. J'ai cassé le coffre. Le coffre. Je voilà. Sais plus comment on accède, mais que c'est l'enfer. Comment on accède au coffre? C'est pas grave, hein, franchement, y'a pas de soucis. Clic droit? R. Non, mais... Ah, c'est E le coffre. C'est E intéressant. Elle a l'air bien la capuche de Ranger. Hein. Elle a l'air nickel. Je sais pas ce qu'on va faire de tous ces bonnets de paysans par contre, mais. Moi j'en ai pas. Je veux bien un bonnet de paysan. Bah, tout le monde en prend. J'en mets un par terre. Ouais, ça fait du bien. Merci bien. Ça donne des stats, ouais. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ça, ce sera le coffre à bordel. Hein. Je mets le bois, enfin pas le coffre à ressources. Le vert, c'est le coffre à bordel. Le bois, le cuivre, l'étain, les pièces mécaniques. Je crois qu'on peut directement faire un autre. Pas un outil. Carte d'oracle, aura. J'essaye de trier un peu le bazar. Je mets le sable. Les pièces de rechange. Le bois. Ah, c'est bien là. Où est-ce qu'on m'a ramené? C'est bien là. Ah, c'est pas mal? Ok, j'étais en train de tout laisser tomber par terre. Je me suis dit, il va péter un câble. Non, c'est bien, c'est bien. Je vais faire un coffre trucs, pour, tout, l'air, ce l'air, pour mais... tout ce qui est graines et bouffe. Je vais faire un coffre pour ça. Non, j'ai des valuables. Le coffre à trinket. Je vais faire un coffre à trinket aussi, je pense. Mais attends, la barre de bouffe, elle descend vite en fait. Ça va, mais en fait, t'as très vite beaucoup de bouffe dans le jeu. Ok. J'aimerais bien tourner le coffre. Et comment on va par ici? Merde. Salut Lumia, merci pour les 26 mois, ça va bien et toi? C'est avec clic droit, non? Je suis perdu, avec j'ai pas l'habitude des jeux de ce style. Je suis perdu, je m'en sors bien, je mine, mais je mets une torche toute la fois. Et à part manger, on n'a pas d'autres moyens de se heal? Bah t'auras des potions en fait. Peut-être dormir, un truc comme ça. Ration de nourriture, bonjour. Pour l'instant on fait ça avec de la bouffe, mais après on pourra le faire aussi avec on pourra le faire avec des potions de soins, des trucs comme ça. Ok. On a des œufs maintenant, what the fuck? Moi j'ai trouvé plein de trucs, je vais les ramener. Donner à manger à ton animal, pièce de rechange. What the fuck, bro? T'as des animaux? Ouais. Mmh. Moi j'aime bien les animaux. On va explorer tout partout dans tous les sens. Ah, oh, mais c'est bien en vrai. Ouais, c'est parfait. Ici je vais mettre les valuables pour l'instant. C'est valuables, hein, la baie en cœur. Ah non, c'est de la bouffe ça justement. C'est genre des pommes. Ouais. Comment est-ce que je refais une pioche quand j'en ai plus? Tu peux aller la réparer si tu veux. La réparer ou alors il te refaut du bois. Tu peux en refaire une juste. Tu peux réparer. T'as un atelier de réparation? Il est là, j'imagine. Ah oui, recyclage, réparer. Ok. Ouais, réparer. Tu peux ou pas? J'ai du minerai de cuivre. Ouais. Tac, les trucs pour les PNJ là. Attends, faut que je mette dessus et que je répare. Non. Alors, pièce de rechange, on va mettre ça là. Faut que tu cliques dessus et que tu. Attends, je vais le faire avec toi pour voir. Merde. Je clique sur le bleu et ensuite sur ma pioche. Ou... Ouais, non, coup de réparation, pièce de rechange 1. Ah. Tiens, je t'en donne 2, vas-y. Ah, merci. Ok. Alors, l'épée, il faut du bois et tout. Du coup, là. Ouais, nickel, ça marche. Voilà. Nice. Nickel. Voilà, il y a déjà 3 coffres. C'est quoi ? Il y a 4 coffres au bout de la map, ça va être injouable. Non, mais attends, rappelle-toi. C'est vrai, qui va mais faut tout un cirque là. Où est-ce que je c'est pareil. C'est vrai, excuse-moi, j'oublierai jamais. Là, il y a un coffre avec la bouffe. Il y a un coffre bouffe et fleurs, agriculture. Il y a un coffre avec juste les matériaux de construction.
Il y a un coffre avec les matériaux précieux, genre les pierres précieuses et les trucs de machines. Et en haut à droite, je l'ai mis loin parce que ça n'a pas l'air important. Enfin, c'est des trucs que je connais pas, c'est pour les animaux, avoir des animaux et tout. Je sais pas comment ça marche, je pense. Ok, très bien. On a déjà une fonderie ? Ouais, j'ai fait un four. Oh, nice. Bah, du coup, on a déjà des plaques de cuivre là. On a du copper. Est-ce qu'on peut craft des trucs en copper avec du bois ? On peut faire l'établi en cuivre. Ça me semble être une bonne idée. Ouais. Je pense qu'on fait tout ce qui est pour la base et après on se. Je suis perdu. Ouais. Oups. Bah, dis-nous. Si t'es perdu, t'as la map, t'appuies sur M et tu reviens vers où tu veux. Pioche en cuivre. Ah, si, c'est bon. J'ai trouvé. J'ai plus de bois. Alors que j'aille bosser, moi. Je peux t'en intéresser. Ok. Il y en a dans les coffres aussi, hein. Il me semble. On peut mourir si on tombe dans l'eau ? Peut-être faire un coffre d'équipement, moi. On peut pas tomber dans l'eau, si tu tombes dans l'eau, je crois pas, non ? Je sais plus. Est-ce que le personnage sait nager ? Je ne crois pas non plus. Tiens, j'ai ramené plein de trucs. Je les mets où, tout ce que j'ai trouvé ? Il y a 18 coffres dans le dos. Dans les coffres, ouais. Dans les boîtes, tu vas se débrouiller, en gros. T'as cassé le coffre ? Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas grave, t'as cassé le coffre où il y a que les ressources de craft, en fait. Problèmes. Attendez, même comment c'est je peux eux pour, un coffre alors pour. Ah, ok. Alors tu poses le coffre, après tu peux appuyer sur eux. Attends, je mets une torche toutes les 5 secondes, j'arrive pas. Moi je pense, le plus simple. Mais il y a déjà plus de lumière. Oh le bois, je n'ai j'ai pas tout le bois. Regarde. Je vais remettre un coffre, t'inquiète. Oh, MG, j'ai, oh, j'ai trouvé des plans. Terminé, fin du jeu. Ah, il est là le coffre. Donc là, si tu mets le coffre, hop, après tu. Ah, t'as retrouvé le coffre dans le coffre. Ouais. Comment ? Y'a pas une touche pour prendre la moitié, stockage rapide, c'est left shift. Ah, ça. Ouais, moi je repars explorer, salut les gars. Les hautes herbes, les buissons, les arbres luxuriants. Putain, y'en a des nouveaux trucs en vrai. Y'avait pas tout ça à l'époque. Je vais faire un coffre d'équipement aussi, je pense. Oh, j'ai level up ou quoi ? Je fais plein de raccourcis, j'arrête pas de revenir. Est-ce qu'on peut donner des couleurs au coffre ? Peut-être pas encore, peut-être avec le 1.0. Je crois qu'il y a de la peinture. C'est... Ah, je crois que c'est plus tard, mais en effet, tu peux peindre. Et pour l'instant, on peut pas peindre. Alors. Le coffre d'équipement, je vais le mettre là. Ok. Mettre ma pioche en bois dedans. Bon alors, on a ramené du copper. J'ai une pierre précieuse ancienne. Plaque d'oreille, objet de valeur. Prendre du bois. OMG, je pêche. On a un peu de bois pour faire la pelle en cuivre. Tout ce que j'aime. Ok. Pièce de rechange différentes. Pam 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 pam. J'ai la fibre aussi. Trop stylé qu'on ait l'accès au coffre en même temps. Ouais, c'est confort. Ah ouais, t'as pas à attendre. C'est très confort. Et du coup, la map. T'as pas à attendre ton tour. Elle est La map est giga grande. La map est pas mal grande. Ouais. S'arrête au bout d'un moment. Surtout qu'à l'époque, elle était grande et on n'a pas tout vu. Nous, ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué. Ouais, elle était grande. Je sais qu'il y avait des matériaux qui étaient trop durs à un moment qu'on pouvait plus casser. Ah, ok. Mais ouais. Ouais, elle était pas infinie. Non, c'était pas infinie. D'ailleurs, quand vous prenez des niveaux avec vos compétences, n'hésitez pas à les regarder parce que vous avez des points à mettre aussi. Et un arbre de talent. Ah, oui, c'est vrai ça. Attends, c'est où déjà ? Ah, oui, c'est vrai. C'est tab et l'étoile en haut. Par exemple, ouais, tu peux mettre un point dans un truc qui fait que tu consommes moins de nourriture quand tu cours. Ça. Et en vrai, c'est important. Où est-ce que je vois mes points ? Ça fait bizarre la pioche en cuivre là. Comment je fais pour remettre de la lumière genre sur les murs pour qu'il y en ait partout, vous voyez ce que je veux dire ? Tu prends une pioche, enfin une torche et tu la poses avec le droit par terre. Ouais. C'est bizarre, ça va pas marcher. Si t'as la torche dans la main, il faut la mettre par et terre, tu cliques droit sur le mur, ça passe. C'est de la dirt ça, c'est quoi ? Bloc de terre. Hein. C'est de la dirt ? C'est clairement de la dirt. Hein. Même pas de la dirt. Je ramène de la dirt. Ah oui, ça y est. Je pense qu'il serait pas mal là. Ça nourrit pas, ça. On va jouer quand on va jouer 2 heures, un truc comme ça. Ouais. Tu es le premier boss, genre. Ce serait pas mal qu'on essaie au moins de voir le boss. Je sais pas si on arrivera à le battre. Ouais, pas je pense qu'on va pouvoir. Ok. Moins, Où est-ce qu'il est ? Enfin, c'est lequel déjà ? Je sais pas te dire où il est exactement. Je crois que c'est l'espèce de ver de terre là. Ouais, il est loin, mais. En fait, il est un peu partout. C'est ça le truc. Ouais, il fait le tour pour l'instant. Ouais. Je sais plus. On peut faire déjà la fonderie à verre, on peut faire l'enclume en cuivre. Je vais faire ça. Faire le hop. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de temps de craft dans ce jeu et ça fait plaisir. Ouais. D'accord. Comme je pêche.
Pour l'instant, je mets les trucs de craft les uns à côté des autres, mais moi, j'ai c'est vrai que c'est possible de faire plus beau. Quoi. Oui. Elle sert à quoi la fonderie de verre? Faut mettre quoi dedans? Du sable, non? Comment ça marche? Bloc de sable. J'avais ramené du sable. J'avais vu. Yes. Ah, ah, mais les petites fleurs blancs, bleues, on peut les prendre? Ouais. Il faut des barres de cuivre. Globalement, tu peux tout prendre, franchement. Ouais. Okay. Ton inventaire est très vite flooded. En plus, c'est pour ça que c'est important à la base de savoir où refoutre tout dans les coffres, parce que... Il y a des petits vers de terre qui se baladent là où je suis. Est-ce que ça veut dire qu'il est pas loin ou non, rien à voir? Moi aussi j'en ai un, le petit vers de terre. Tu le sauras quand il est pas loin. Et il en faut du cuivre. Hein. Waouh! Si on se fait tout son stuff. Attends, j'en regarde. Oh, je vais mourir en fait. On va loot des stuff, mais en vérité. Déjà, si tu veux juste le casque plus l'armure plus les jambes, il en faut. 15 et 6, ouais, il en faut 21 barres par personne. Donc faut du cuivre. L'arc en bois, moi je l'ai déjà, donc c'est déjà ça de prime. Ouais, c'est 21 par personne x 4. Quoi. Je vais partir à la recherche du cuivre. Bah, je crois qu'on est pas mal là, du cuivre. Bah, en fait, si vous avez pas mal de cuivre, quand vous revenez à la maison, au lieu de le mettre par exemple dans le coffre, vous le mettez dans la fonderie qui est en bas à droite du gros œuf bleu là. Ok. En bas à droite. Et en fait, ça va faire automatiquement des barres de cuivre en boucle en fait. Y'a pas besoin de mettre de charbon ou truc bizarre, ça part direct. Quoi. On a assez 12 de bois. Barres. On a assez de bois. T'as fait le tour pour arriver là? Ouais. Enfin, moi je suis arrivé par là. Non. Alors, n'hésitez pas aussi, vous avez des blocs de terre. Non. Si vous faites clic droit sur l'eau, vous pouvez faire des ponts. Ah ouais. Comme ça, tu vois. Ah, ça c'est bien ça. Je fais bien de me le rappeler parce que j'avais oublié. Et pareil, si jamais vous êtes bloqué, vous pouvez genre ramasser de la terre comme ça. Avec clic droit, avec la pelle. Ah, je pars au charbon. Placer les blocs ailleurs. Okay. Waouh, c'est quoi ça? Il y a une porte indestructible. Qu'est-ce que c'est ce truc? En nord-ouest, mais je sais pas ce que c'est. Alors, le cuivre. T'as fait tout le tour? De quoi? Bah, de ce truc là. Non, pas encore. Ok. T'as dit pour mettre les minerais de cuivre dans la forge, je fais clic droit une première fois dessus et après je fais E, c'est ça? Non, tu fais E juste devant la forge, ça va t'ouvrir un truc et là tu les prends, tu les mets dedans. Ah, ok, ah ouais. Ouais, enfin, franchement, c'est un jeu qui se prend vraiment pas la tête sur ses mécaniques, dans le sens où d'habitude, les jeux de craft, t'as un peu plus de problèmes. Genre, tu veux faire des barres de fer, bah il faut du charbon, il faut du combustible, du machin. Là, les crafts, tout se passe en direct et en automatique. Et bon, évidemment, il y a du temps pour faire la barre de fer, mais quand tu vas craft une épée, elle va être directement dans ton inventaire, quoi, par exemple. Là, il faudrait trouver encore du cuivre, c'est ça? En vrai, il en faudra tout. Mais il en faudrait 21 par personne, donc je pense que, ouais, on n'a pas. Okay. Pas beaucoup. Allez, je repars. Je suis en train de faire du bois, là j'ai trouvé du cuivre. Pas du tout. Ah oui. Pas du tout. Attends, c'est lequel le coffre de bouffe? Celui qui est en haut. En haut de celui de stuff. Cesse de déblatérer des bêtises et abreuve-toi. J'ai trouvé une canne à pêche en fer dans un truc. Oh, belle. Oh, la belle prise. Avec des hameçons rouillés, objets de valeur. Ouais, même mal, si je veux pêcher. Oh, j'ai trouvé une arbalète en bois. Nice. Et un œuf animé. Tu sais ce que c'est? L'œuf animé, je crois que c'est peut-être pour avoir des pets maintenant, non? Mais avant, on pouvait pas avoir des pets, donc je sais pas comment ça marche. Incroyable. Dans l'inventaire, il y a emplacement d'animal, donc je pense que c'est ça. Oh, j'ai pêché un coffre en cuivre. Hein. Quelle folie. Oh my god. Moi, je me fais défoncer par des espèces de blobs rouges. Je vais Non. Je pêche des goupilles des cavernes là. Si vous mourrez, c'est pas très grave, je crois que vous revenez juste à voir. À la maison. Oh, le guppy des cavernes, oh, il nourrit bien. Je peux peut-être faire un peu de pêche pour vous ramener de la bouffe. J'avoue que. Il me faut de la bouffe. Mâchoire de roche. Ah, j'ai fiche un peu aussi, c'est pas mal. La pêche va si vite, hein. Ouais. C'est avec du bois juste pour faire une canne à pêche? Il me semble. Ouais, 5 de bois, je crois. 5 de bois. Si vous cherchez les tables de craft, normalement elles sont à gauche de notre campement, il y a toutes les tables de craft un peu différentes qu'on peut faire pour l'instant. Ouais. Ok. La canne à pêche a pas de durabilité, mon rêve. Ah, c'est vrai ça. Oups. Je peux juste ficher. Je suis en train de pêcher. Tu peux faire du menuing pendant que tu pêches. Oh, c'est le gothi.
C'est la folie. Là, je suis parti loin là. Est-ce qu'on se partage l'exploration de la map? J'ai pas l'impression. Je crois pas. Moi, je suis parti à droite. Pas. Moi. Non. Ouais, j'étais parti à droite, moi. Je suis pas sûr. Ah, vous sur la minimap, je vois. Ok, je vois ce que vous dire. Ouais, genre, est-ce que quelqu'un qui va à droite, on voit son exploration, mais je crois pas. Ouais, ouais. En même temps, ce serait un peu broken. Qu'est-ce que je viens de trouver là? Pierre précieuse ancienne. Ah, c'est ces trucs-là, je crois qu'il faut mettre dans les. Dans les hôtels pour avoir la position des boss. Ah, j'en avais trouvé une aussi, si jamais. Je sais pas combien il en faut, mais. On va les stack dans le coffre qui est en haut à droite, je crois. Qui est notre coffre de. De pierres précieuses. Quand on en aura assez, je pense qu'on pourra faire un truc avec. Ouais. Ça va bien. Attends, j'ai un coffre fermé, c'est quoi ça? Coffre en cuivre verrouillé. Waouh, mais qu'est-ce qu'ils veulent eux? J'ai des grands vers de terre sur moi, ça existait pas à l'époque ça. Ouais, y'a pas mal de trucs hostiles hein. Je vais venir les buter. Ah, c'est bien bien hostile et y'a de grandes chances que je décède là. Hein. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il me cherche là. Hein. Il va tellement me trouver. J'ai pu avoir de pioches de nouveau. Il prend zéro damage bien sûr. Je reviens. Vas-y, viens par là. Ose. C'est pas un truc pour la pelle, ça? Ah si. Des petites croix par terre? Ouais. Ouais, tu peux faire un clic droit à la pelle. Oh, c'est quoi ça? Waouh! T'es si dur à tuer, OMG. On a des clés pour les coffres en cuir verrouillé ou... Non, mais on pourra les craft. Je crois qu'on peut déjà les craft, mais je suis pas sûr. Ok. Ouais, je pose dans le coffre... En attendant. C'est quoi ça déjà? Créole en os. Oh, Ok, non, c'est... Ah, j'ai pas trouvé de cuivre encore, moi. Ah ouais? Bah, je crois que j'en ai ouais, pas. Mais... Voilà. Ouais, mais. J'en ai trouvé un peu là, mais je suis en train de me battre. Je fais n'importe quoi là. Tu fais des champignons un peu? Je fight pas des champignons, je fight des grands vers de terre de ces morts là, des chayouloud là. J'ai en tué un là, mais là il y a un peu de cuivre. Pas tout, toi t'as un pet, t'as un art. Mais le pet, je sais pas comment je l'ai eu en fait. Ah mais tu t'as pu l'activer? Ouais. Moi j'ai pas réussi. En fait je vais sur le bouquin et je fais clic droit en ayant le bouquin dans les mains et ça invoque un pet. Ah mais c'est la chauve-souris? Ouais. Mais c'est temporaire, ouais. C'est ce que t'as volé à Marie. Mais je l'ai pas volé. Mais je l'ai aussi, hein. Donc... Ah, non, tu ah, tu me l'as volé à moi, alors. Ah, très bien. J'invente. Mais j'ai rien volé, moi. Ah, parce que ouais, moi, je l'ai toujours. Bizarre. J'ai les chauves-souris aussi, donc bon. Bizarre. Qu'est-ce que je viens de perdre, là? Mes torches, j'ai plus de torches. Non, super bon. Je trouve des bombes, une lanterne. Ah, quelqu'un a pas de lanterne, il veut une lanterne? Ah, j'ai pas de lanterne. Pas de lanterne, ouais. Mais bah... j'ai... Mais j'ai en craft une au pire, un DF. Oh, mais là, vraiment, je l'ai trouvé partout. Ok, vas-y, donne. Je sais même plus comment ça marche la lanterne, ça s'équipe non? Non, équipable. Ah ouais, mais oui, mais c'est banger ça. Ça fait un peu de lumière autour de toi même quand t'as pas une torche en main. Oh merde. Pour la lanterne... Il y a les murs qui explosent, je viens de la prendre. Ah ouais? Ah ouais. J'ai drop la sacoche. Quoi? J'ai drop une sacoche moi? Quelle sacoche? Ah oui, sacoche des cavernes. Faut l'équiper aussi. Là, j'avais pas vu. Il y a tellement d'items. Après, je l'aurais vu en rangeant mes items, mais bon. Il y a beaucoup beaucoup de choses dès le début, il y a beaucoup de stuff. Il y a pas mal de trucs. Ouais. Ça je connaissais pas, c'est les murs qui explosent. Comme ça. Moi j'en avais pas vu non plus à l'époque, je crois. Les murs qui pètent. De retour à la base des goths. Faut pas la c'est déplacer au bout d'un moment la est-ce base. Est-ce que les gars, je crois que j'ai trouvé un boss. Ah ouais? Ah c'est est-ce possible. Que, est-ce que si je meurs du boss, je perds tout ce que j'ai loot ou pas? Tu fais tomber ce que t'as sur toi, je crois, ouais. Sincèrement. Ça il me semble que oui. Hein. Après, ça se trouve, il y a un monde où tu tues le boss. Hein. Non, je crois pas. Ah. Il a un nom, il y a un truc qui est écrit. Faut jamais il y a deux yeux rouges et si je m'approche, ça tremble. Ouais, c'est mort, c'est mort. C'est parce qu'en vrai, j'en sais rien. Ok, je vais faire charrière. Ça se tente. Bah, tu nous emmènes j'en avec ai toi aucune et... Pièce de rechange, bloc de gazon. Granulé pour animaux. Ah oui, effectivement. Ouais, des trucs pour animaux. Mais ça existait pas avant. Ça me dit rien. Ah, je trouvais les cavernes d'argile. Wow, stylé. Parti un peu long. La singerie, quoi.
Ah, mais on peut planter les graines et faire un jardin avec, en fait. Et ouais. Ouais, ça c'est trop bien. Mais il faut de la terre spéciale, j'imagine. Objet de valeur. Non, il faut juste la houe. Ah, okay. On a déjà. Si quelqu'un se sent jardinier. Ouais. Ou en bois. Comment on craft une clé déjà ? Attends, la clé. Non, il y a un truc pour craft les clés. Ah bah c'est pas sur l'enclume, non. Alors, bizarrement, ça doit être peut-être sur la forge du chemin de fer, l'incubateur 2, l'établi en étain. Okay. Ah, si vous avez de la vase, c'est avec ça que vous faites les lanternes normalement. J'ai pas de vase moi. La vase, c'est l'espèce de sol qui vous ralentit orange. Vous prenez une pelle, vous faites clic droit et ça le ramasse. Ok. Une lanterne, le buzz, pas mal. J'ai faim en même temps. Ouais, hein. Moi, le nombre de torches que je pose par terre là. Je vais ramener des poissons. Ah, je parlais IRL là. Ah, j'ai faim. Ramener des poissons aussi. De toute façon, j'ai tout le temps faim. Un peu plus loin. Mais... Vous avez mangé quoi ce soir là de mana. On va manger des nouilles. Oh, beau. Juste des nouilles. Non, des nouilles. Ah, quand même. Dan. Incroyable. Est-ce que vous savez comment je fais pour faire le bloc de terre? J'y arrive pas. C'est ce que tu lui dis partout, non? Tu pètes des murs et clic droit après. D'accord, c'est quoi pour réparer déjà? Bah, ça dépend, tu veux faire quoi? Je veux passer d'un endroit à l'autre. Bah, tu peux passer dans l'eau, mais pas dans le vide. Ah oui, non, moi je veux. Dans le vide, il nous faut des ponts, je crois. Il faut autre chose, ouais. Il faut je crois qu'il faut des ponts en bois, mais je suis pas sûr. Non, mais c'est pas mal. Faut que j'arrose mes graines après. Plus tard, on me dit. Ou je les laisse comme ça. Non, une y a main pas gauche dans l'équipement, tu peux y mettre une torche. Emplacement deuxième main. Non, c'est pas ça. Je sais plus à quoi ça sert ça. Ah si, arrosoir. Barre de poids en minage, 2% de dégâts miniers. Granules pour animaux, je viens d'avoir. C'est bien ça. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant, mais j'imagine qu'on peut faire un élevage d'animaux maintenant. Pantalon de ranger, putain, mais on a ça nous. Je t'ai donné du stuff. Oh, quelle folie. Je l'ai mis dans le truc des animaux là, attends, je vais refaire ça. Écoute, ça, je l'ai mis où j'ai pu. Je peux piquer des barres de cuivre pour faire un arrosoir pour mes graines. Tu peux. Pense que tu veux. Magnifique. Hein. Le coffre est là pour tout le monde. Bon, je reviens parce que j'ai pas mal de loot là. Et là pour bosser quoi. C'est le jeu du travail. Hein. Ça par contre. Non, c'est un jeu du boulot. Hein. J'ai tué c'est des le jeu, c'est le jeu où faut bosser quoi. C'est le genre de jeu où t'embauches et quand tu repars, tu pointes pour dire c'est bon, j'ai fait ma journée de 7 heures. Allez. bonne nuit. J'ai cru qu'on pouvait embaucher des gens pour miner à notre place. Je suis un peu triste. Ah, tu peux. Toi aussi. Hein, tu peux vraiment. Il y a un blob de zinzin là, c'est quoi ça? Enfin, des potions ça, non? Ah bah il m'a looté de la vase. C'est vrai que la vase on peut en avoir aussi en tuant les blobs. Ouais. Ouais les blobs rouges là il y avait un endroit. Un endroit où il y en avait pas mal là. Ouais. Après je crois qu'en effet si tu mets des coups de pelle là dedans ça ramasse de la vase aussi. Non c'est du sol vaseux. Ah c'est pas pareil ça. Moi j'ai un mousqueton à silex niveau de l'objet 5. Ça sert pas à mal, quoi ça, c'est un truc d'arme ça non? C'est une arme non? Oh, c'est une arme ouais. Moi je suis un mage, faudrait mieux que je le laisse à l'un de vous. Bah les équipements, c'est le coffre qui est tout en haut à gauche chez nous. C'est un coffre où on peut mettre tous les équipements, ah, okay, on ne sert pas. Alors, c'est pas pioche. En haut à gauche. Je vais vous crafter des lanternes si vous en avez pas. C'est vrai que j'en ai toujours pas moi. J'arrive avec de la vase. Ah j'ai une arbalète aussi. Est-ce qu'il faut deux lanternes? Est-ce que... Qui n'a pas de lanterne exactement? Moi j'en ai pas. Donc Marie n'a pas de lanterne et Chipset en a une ou pas? Lanterne, c'est... Non, c'est pas une torche Ouais, non, c'est... Comment en fait, tu peux, dans ton équipement, si tout avec table, ah, tu peux voir qu'en bas à gauche, tu peux équiper une lanterne. Ouais, bon, où est ma première main? Merci. Je n'ai qu'une main, c'est la deuxième. Pour ça, il me faudra des barres de cuivre. Où sont les barres comme de cuivre? Il y en a plein. Nice. Les graines, elles sont une, où dans... Je les mets dans quel coffre, les graines? C'est ce coffre-là. Il y a un coffre ici, là, juste à côté de moi. Rangement des coffres de chips, ça va me manquer. Après, en fait, ce coffre-là, rien n'empêche de l'emmener, d'aller le mettre proche des cultures. Je peux y le casser encore. Ça peut marcher aussi. Hein. Clairement. Je vais lâcher les lanternes par terre. C'était Marie qui avait besoin d'une lanterne, tiens. Je dis pas non. Ça, t'as juste à l'équiper sur ton personnage en bas à gauche. Et bah, chipset pareil. Tiens, je te mets une lanterne au sol.
Merci. Merci bien. Je brille désormais. Et du coup, la vase, je vais foutre ça avec les autres stuff. Alors, c'est une cuillère rouillée, je vois qu'il y avait marqué objet de voleur. Je ne comprenais pas. Objet de valeur, bah tout va bien là. De valeur. Tiens, regarde, je te mets ça par terre, je te pose. Vas-y. Et tac. Éclat de crâne en cristal. C'est bon, j'ai le mousquet, merci beaucoup. Le mousquet, il est en haut. Arbalète ouais, en bois. En mousqueton à silex. Putain, là, t'as vu ce que j'ai trouvé? C'est une folie, ça. Il y a un mur qui a failli m'exploser dessus. Il y a un mur, il s'est mis à clignoter. Waouh. Ça peut surprendre. Mais y a, de mais en bas, il y a une espèce de rune bleue. Ils combinent les matériaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, juste en bas des cultures, il y a une grosse rune bleue. Éclat de crâne en cristal. Qui vibre un peu. Je pense que je décris très mal, hein, mais... Ouais, mais... Ouais, hein. Ouais, ouais, c'est genre un cercle bleu clair. Un cercle dans le blé? Non, un cercle bleu clair. Mais ça aurait pu être dans le blé, hein, mais c'est... Je sais pas. Non, ça se trouve, c'est rien. Ça me dit rien du tout. Ça me dit rien, mais okay. Si je le vois, peut-être que ça me rappellera un truc d'il y a 2 ans, mais là, comme ça me dit rien. Après, c'est un jeu qui a beaucoup de mystères et tout. Genre, il y a plein de. Un petit truc au début, tu sais pas à quoi ça sert. Après, tu découvres. Oh là, ça a été le problème. Ah, ça y est, petite lanterne. Alors. Du coup, maintenant qu'on a la lanterne. Il y a quelqu'un qui joue épée. Pardon, vas-y. Ouais, moi. Je peux faire des trucs en même temps que. Que je me bats par exemple. Bah c'est à dire que en fait la lanterne elle te donne un peu d'émission de lumière autour de toi. Ouais. Mais évidemment tu verras jamais aussi bien qu'en tenant une lampe torche dans ta main. Okay, cependant okay. Plus tard on aura des lanternes qui feront en sorte de plus éclairer de base autour de nous. Et au bout d'un moment dans le jeu t'as plus spécialement besoin de tenir une lampe torche dans la main. T'as juste besoin de poser des lampes torches pour éclairer des chemins à certains endroits. Okay. Pour être safe entre guillemets. Ah ouais. C'est trop bien. J'étais dans le noir complet. La forge du chemin de fer. Je suis passé sur le cercle bleu, ça m'a dit relais activé et j'essaie de le taper, ça me dit dégâts miniers trop faibles. Ah, c'est une TP, genre. Ouais, en gros, ça va là, maintenant t'as un truc ça map. Totalement une TP. Ouais. En fait, il y a plusieurs points de TP où tu peux te rendre et on peut pas encore pendant ce qu'on a pas débloqué. T'as déjà des barres d'étain, putain, la folie. Oula. Ah bah. On les a chopés toutes craftées, là. Ouais. Ah ouais, ah bah oui, effectivement, ouais. On peut pas trop le louper, ouais. Effectivement. La table électronique. C'est ça qui vibrait, c'était pas le cercle. Je vais prendre les barres d'étain. Ouais. Si vous voulez venir au sud-ouest, pas loin, on a trouvé un truc qui peut vous intéresser. Juste en dessous des cultures. De... C'est quoi que vous avez trouvé? Ok, j'arrive. Un incubateur d'œufs. Personne oh trop bien, c'est pour faire éclore nos œufs. Pour faire les animaux, sûrement. Ouais. En effet. Go. J'ai trop envie de faire ça. Yes, je suis en train de chercher les ressources qu'il faut pour le faire. Il faut quoi comme ressources? Je vais regarder juste après. Là, je pose les. Ah, ok. Je pose juste les tables. Merde, je l'ai dans la main. Là, pourquoi j'ai ça dans la main? Je pose la table. Ça, oui. Vas-y. Oh, c'est quoi ça? Il me ramasse. Attends, je comprends pas là. Okay, ah merde. Un peu de place parce que c'est n'importe quoi là, c'est n'importe quoi. Oh, je viens d'avoir trop bien. J'ai eu un chapeau d'apprenti. Voilà, voilà les champignons juste en dessous de chez nous. Oh, on voit plus ma calebasse. Il y a pas mal de dégoûté. Oh, le mousquet. Waouh, mais attends, mais le truc que tu m'as ramené ça fait 226 damage. Oh là, le mousqueton. Ouais, mais ouais, regarde, moi j'ai eu un petit chapeau. Mais ça va péter ça. Voilà, attention. Ouais. J'avais pas vu, je connaissais pas. T'as eu un chapeau? Ah, le chapeau de sorcier, pas mal. Hein. Ouais. Le jeu de fou. Du coup, sud-ouest, hein, vous avez dit. Ouais. Juste ouais. Au sud. On est là. Ah ouais. Ça du coup, c'est quoi ça? Oula. Il y a eu un tremblement. Ah, c'est un TP, là. Non? Ah, c'est un TP pour revenir à la base. Ça vibre un peu. Ouais. Et vous redescendez encore? Allez, encore plus sud. Plus sud, il y a quoi? Il y a le boss? Ah. Ah oui. Ah, j'ai plus de pioche. Ouais, hein, il est. Il a l'air sympa, hein. Je me dis. À 4, ça peut passer. Bon champignon, hein. On bouffait full champignon.
Attention, je crois qu'il s'est réveillé. Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement ? Il a pas l'air de bouger, juste il saute. Mais dans le doute, peut-être attendre d'être 4, je m'en rends pas compte. Ouais. Il est assez sur un pied. Verre. Globox ? Ouais. Globox ? Pour Globox. Hop, on a l'incubateur. Je vais mon orange de vase peut-être transformé. J'ai trouvé des moutons. C'est cet appareil ? Non, c'est pas des moutons. T'es où, Marie ? Je suis en montée, j'ai vapé de pioche. Ah. Je répare. Et je reviens. Bah, si t'arrives à venir sur moi, c'est peut-être ce que tu voulais. Ah. Eh bien, je vais faire éclore les œufs là. Tu veux faire du pâturage et tout, il y a des trucs ici. Et je comprends pas exactement. Ce bâtiment a besoin d'électricité. Ah merde. Ah. Il faut de l'électricité pour l'incubateur à eux. On peut avoir de l'électricité. Comment on fait de l'électricité ? Bah, c'est un peu plus tard, je crois, l'électricité. Ça va venir avec l'étain, je crois. Pour l'instant, on est à l'âge du cuivre et ça va venir après, je crois. De mémoire. Ok, cool. Je redescends. Et quand on aura l'électricité, on pourra du coup faire ça. On a de la bouffe qui est bientôt prête aussi. Bon, je vous suis du coup pour aller voir votre truc au sud. Au sud, c'est quoi ? C'est le boss, du coup ? Oui. On peut réparer. Au sud du relais. Mais t'es parti super loin, DFG. C'est Blobman. Ouais, si vous venez vers moi, vous allez avoir un truc cool. Enfin, cool, je sais pas, moi je connais pas en tout cas. J'arrive. Oh, waouh. Oh, ça brille. Il y a plein de cuivres. Il y a grave des poissons là. Il y avait pas quelqu'un qui avait fait pêcheur ? Si. Bah, là, t'as des bêtes. Il y a des poissons. Je leur parle. Oh mon dieu. Mais non, ce n'est pas du c'est tout bloc un de mouton. Terre là. Bon, c'est pas un mouton, mais ça ressemblait un peu à un truc. Voilà. Bref. Mm-hmm. La nuit à la fin, il veut des cultures. Oui. Vous êtes loin ? Non, ça va. J'arrive pas à venir sur vous. Ah si, oh putain, c'est beau ici. Ouais, du coup, t'as des moutons. Ah donc, ouais très... Putain, mais c'est nouveau, ça existait pas ça avant. Incroyable. Il y a pas d'animaux comme ça. J'ai bisqué et je l'ai tapé. Il y a un truc qui. Et du coup, si on les nourrit, j'imagine qu'on peut les ramener à la maison. Vous êtes passé par où ? Non ! Chichi, il l'a oublié, j'ai vu. Non, j'ai tapé le pot de fleurs à côté. C'est trop grave. J'ai fait l'excuse. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur donne ? Du fourrage, je sais pas. Pour l'instant, on n'a rien à donner, je crois. Arbre de prairie en pot, j'ai volé un décor en fait. Ouais. Ah, j'ai bientôt plus de pioche, moi. Oh, ma pioche, elle est bientôt dead. Bravo à tous. Incroyable ! C'est horrible. Incroyable. La vie du travail. Merde. J'ai réparé ma pioche. Ou sinon je la pète. J'en ai fait une autre, moi. T'avais dit DFG comment on réparait tout à l'heure les équipements, j'ai oublié. Ouais. Bah t'as une table de réparation. Ouais. C'est trop mignon les moutons. Un item, t'es où ? T'es là. Ouais, je suis là. Un truc comme ça, là. Et ah, gros, les pièces de rechange, ok. Sur réparer, que... ça va très près. Ah ouais, ça nous fait de la viande. Mais statue de mouton ? Oh ah non. Oh yes. Trahison. Non, c'est grave. Non mais je voulais juste, c'était un test. Sincèrement, c'est non mais oui, non mais il faut tester hein, il faut tester, je suis d'accord. Au moins on sait qu'ils sont tuables, voilà. Maintenant on sait qu'il y a du friendly fire sur les moutons. Après franchement les protéines, c'est important, hein. C'est bien beau de manger des champignons là, On peut pas faire cuire la viande ? Ce serait bien. Faut cuisiner beaucoup dans le jeu, c'est un peu après. OK. Il nous faut l'établi de cuisine, mais je sais plus comment on fait. On va trouver. L'atelier de réparation, ah oui, c'est ça. Ouais, j'avoue, cette zone, elle est trop mignonne. Par contre, toujours pas trouvé ce qu'elle bouffait. Hein. Renforcer les outils. Comment on renforce les outils ? Coup de renforcement, une barre en cuivre. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire comme ça aussi. Une étoile de mer d'or. Peut renforcer nos outils. Ça leur donne une barre de durabilité en plus. C'est pas trop mal en vrai ça. Ah. J'avoue que j'arrive pas à les casser le moi. De ça bouge pas mal. Bah, c'est pas trop mal en vrai. Oula. C'est le mur qui a explosé. Merci beaucoup Fidon. Merci pour les 20 ans. Franchement, on a pas mal de barres en cuivre. Moi je sais que je suis full stuff en vrai parce que j'ai looté des trucs pantalons de ranger et tout. Et si vous voulez des armures et tout, on a pas mal de barres de cuivre donc vous pouvez venir à la maison et faire vos crafts. Hein. Ouais, aucun problème. Ouais, j'avoue que. Je voulais qu'on aille taper un boss. Pas que truc. On peut scraper des armes. Ça a déjà poussé, mais incroyable. Ouais, bien sûr. Là, t'as l'enclume. Sur l'enclume, tu peux faire des chapeaux, des plastrons et des jambières en cuivre.
Il y a également l'épée et l'arc. Bon, c'est des niveaux 2, donc c'est pas ouf. Mais au moins, pour les résistances, c'est pas mal. Ah, les cavernes de l'argile, je viens de trouver. Ouais. C'est bien. Comme ça l'argile. Ouais, ouais, c'est pas... Tout, alors, globalement, tout est assez bien. Hein. T'as besoin de tout pour craft un peu de tout, donc... Okay. Globalement, tout est cool. En fait, là, j'imagine que... J'essaie de musique... trier... J'ai plus rien, j'ai regardé des trucs de terre. Ah ouais, la table d'alchimie, ça c'est banger aussi. Comment on fait les fourneaux? Ça c'est pour les animaux. Ah mais faut peut-être donner des graines d'animaux du coup aux boutons en bas. Peut-être, ouais. Granulés pour animaux. Ça veut de la musique. On a un chaudron pour la cuisine, attendez, je vais le faire. Ça me plaît, ça me plaît. J'avais pas vu qu'on avait ça. Ok. Merde, mais il faut quoi? Du bois. Putain, j'ai plus de bois et je confonds le bois et le... Putain. Ouais, le bois et la terre, ça se ressemble pas mal. Oh! Attends, mais il y a des coffres convaincu. Et tout ici. Ça aide pas. Il y a une nouvelle base. Ah bah c'est bien ça, tu peux la looter. Wesh, ah bon? Tu mords. Ah, je casse les trucs et tout? Wesh, il est mort. Tu peux casser les trucs, enfin looter s'il y a des coffres, des trucs comme ça. Ouais. Artisanat. Il y a même un rail avec des petits trains. J'ai un problème majeur. Mm-hmm. Vas-y. De type. Le boss me poursuit. Ah. Ok, ah. C'est bon. Ramène-le à la base. Ramène-le à la base. Plutôt majeur. J'ai hésité au début, puis en fait, vu qu'il détruit tout, c'est beau. Pardon. Aucun lézard. Aucun lézard. Aucun. J'ai regardé, il n'y en a pas. Là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de lézard. Hein. Pas de lézard. J'ai cherché. Ça, c'est la folie, en vrai. Ouais, zéro. Est-ce qu'on peut déplacer un coffre existant? Empilement rapide, déplace vers le coffre les objets de ton inventaire. Oui, pas moyen de prendre un coffre et de le déplacer, genre. Avec ce qu'il y a dedans. Ouais. Y a quand même moyen de le savoir. Bratelier, ce système utile peut être rempli à ras-bord de nourriture pour bétail. La longe. Boîte de transport du bétail. Putain, il y en a des queutrues en vrai. Hein. Peut transporter le bétail pour amener les boutons. Là, je vais vous faire un atelier de bouffe. Là. Attendez, on va le mettre genre là. Qu'est-ce qu'on peut cuire dedans? Tu voulais tester de cuire la viande, de le gigot là, il y a moyen. Hein. Le gigot. Fais voir, qu'est-ce qu'on peut cuire là-dedans? Cuisine. Mais les poissons aussi, je pense. Ah, les poissons, c'est quasiment sûr, hein, j'avoue. Les poissons, ouais, tu peux. Ça craft ta balle là. Ah merde. Tu veux ça craft? Ouais, j'ai compris. Oh, moi je suis jardineuse professionnelle. Franchement, ça fait plaisir, il en faut. En vrai, faut se crafter le stuff et après on tape le boss, non? Ah bah le boss il est là, ouais. Il est là, hein, il est à côté de moi là. Ouais. Tant qu'à faire. Je pense qu'on le fume. Comment on le détruit, je pense. On l'oblitère, genre il va pas jouer. L'oblitère. Carrément. Moi aussi, il va me poursuivre, putain. Au moins, il est repéré, il est vraiment juste à côté de notre base. Quoi. C'est vraiment un bon Yankee. Quoi. Il est bien gaze. Pas trop de trucs. Bloc de pierre. On peut faire des wagons pour se déplacer plus vite après. Magnifique. Ouais, après, tu peux vraiment faire tout un système de chariots et de trains. C'est trop marrant. Ouais. Oh merde. Pour aller à un bout de la map rapidement, tu peux faire ça, c'est trop cool. Trop bien ça. Oh non! Tu es en train de mourir là? T'as perdu beaucoup? Ah bah je suis morte. Aïe 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 aïe. Quoi quand tu meurs alors? Terrible. Je viens de respawn. Et du coup ton inventaire est vide, non? Non, alors mon inventaire est pas vide. Non, j'ai... Mais j'ai plus de cuivre. Mais vraiment, j'avais ramené des... Si, j'ai perdu... Attendez, du cuivre, j'en ai plein moi. J'en ai remis 19 barres là. Il y en a qui sont en train de cuire aussi. Je crois qu'il y en a 11 ici. Ah mais oui, c'était là. 11 là. J'en ai mis plein aussi. Ouais, il y en a vraiment pas mal, je vais le mettre dans le coffre, vous inquiétez pas. Ok. Il y a de l'étain en cours aussi. Vous avez moyen de craft tout votre stuff, là, normalement, il n'y a aucun problème. Il y a 69 barres de cuivre dans le stack, ça devrait être ok. Magnifique. Est-ce que ce sera... Attends, c'était où déjà? Je me perds. Bah. C'était là. Par contre, j'ai la dalle, moi. On fait déjà, je crois. On parle de la vraie vie ou pas, c'est les deux, mec, les deux de fou en fait. Genre, les deux, tout le temps, les deux.
Je mets un champignon et une tulipe, est-ce que ça fait de la bouffe ça? Tulipe. Faut croire que oui. Hein. Après, les bouffes donnent des buffs, genre. Les bouffes donnent des buffs. Genre la salade juste... de tulipe fongique. Ah non, ça c'est extraordinaire! Mangez ça, regardez. Je suis en train de vous cuisiner un queutru, c'est du génie. Hein. Une la salade lumière. De tulipe? Pas convaincu, hein. Ça vous donne de la lumière autour de vous? C'est incroyable. Ok, convaincu. On a une. Non, éteint ou pas? Non. Ça nourrit de zinzin. Bah, je me demande s'il n'y en a pas une là où je suis arrivée. Parce que tu sais, j'ai trouvé un truc avec des rails. Est-ce et que tout. J'allais, moi. Ah ouais, ok. En fait, je viens de comprendre le truc. L'arme. La musique est si chill. Mais en fait, j'ai pas de main normale. La main gauche, c'est dans l'inventaire, mais la main droite, en fait, j'ai. Il va prendre un coup de mousquet, il va mourir instantanément. Je l'utilisais juste en ayant l'arme dans la main, mais bref. C'est triste pour lui un peu. Il y a moyen que tu one-shot le boss. Il y a vraiment moyen. Hein. Bah, je pense qu'on peut y aller. Hein. Ah ouais, moi j'ai rien craft, je sais pas craft. Sur l'enclume, tu prends du cuivre et tu vas sur l'enclume et normalement tu pourras craft un peu ce qui te manque, un chapeau, une armure, des bottes. C'est pour être sûr d'avoir un peu plus de résistance, mais en vrai il y a quand même peu de chances de mourir dessus. Gars. Attendez, je peux juste voir si je peux récupérer là où je suis morte des trucs. Ouais, vas-y. On a 65 de cuivre. Ah ouais. Ouais, ça n'arrête pas le cuivre. Ah ouais, on peut arrêter là. Le cuivre, on peut arrêter, je pense. Ouais. Après, on en aura peut-être besoin pour certains crafts de. Comment dire? D'artisanat. Ouais. Ah bah moi, j'aimerais bien trouver autre chose que du cuivre, mais pour l'instant. Oh putain, il y avait un bloc explosif là, attention. C'est plus loin, c'est cool. Ouais, faut trouver loin. D'autres biomes en fait. On s'éloigne de la base, plus qu'il y a de trucs. En fait, le jeu a des paliers de craft, et évidemment, les paliers de craft sont liés à des paliers de zone. Genre en mode, plus tu vas loin, en effet. Ouais, forcément. Le sable, je vais le mettre là-dedans, au cas où. Ah, mais on a même l'enclume en étain. Waouh. Ouais, j'ai des vrais, il y a des singeries là-dedans. Il y a de la dingue, ouais. Il y a de la dingue. Hop, les 5 barres d'étain là. Moi, j'ai pas. Il me les a volés. Non, je les ai laissés, mec, j'ai retourné. Ah, mais c'est ça en fait. Ah, c'est ma tombe. Le mouton, il a mangé les tulipes. Bien sûr que je les prends, mais j'ai pris les barres. Hein. Je suis barre. Tes tulipes. Je suis barre plus fibre, là, je suis bien là. Je vais me faire une petite veste là. Petit plastron en bronze. Oh, bac sablier. Il est heureux, rassasié et productif. Mais productif de quelle façon? Qu'est-ce qu'il va faire? Prends le moi. Il va bien non, bosser. Alors. Attention. J'aurais pu, mais je parlais du bouton. Heureux, rassasié, positif. Non, productif, bien sûr. Ok. Pam, pam, productif, pam. Comment un mouton peut être productif? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il produit, quoi. Il produit, quoi, j'avoue. Il mange de l'herbe, il désherbe, il... Voilà. Ah, bien sûr. Hein. Il mange bien, du coup, en effet, il a une belle laine, et voilà, il est productif. Quoi. Super. Tandis qu'un mouton en dépression, bah, il fait pas de laine, et du coup, voilà, pas productif. C'est un mouton en dépression, c'est... à froid, en plus. Sûrement... C'est sûrement pas une vraie info, mais ça me plaît. Oh, y a plein de sable ici, oh oui, pour le verre. Mmh. C'est encore du cuivre. J'ai l'impression d'être à 10 000 km. Oh là là, je sais ce que ça sent là. Ça sent les heures passées sur une save solo en parallèle. Là. Il a juste miné là. Si je retourne, sur ma tombe, est-ce que vous savez Normalement, je crois que tu peux récupérer. Hein. Normalement, ta tombe, tu la vois sur ta minimap, je crois. Là, je dis de la merde, mais normalement, oui. Ah ouais, c'est bon. Et après, tu peux récupérer. Il sait pas DFG parce qu'il est jamais mort sur le jeu, en fait. Maintenant que le pire est passé, il est là pour décorer. Ah bah, c'est juste une pierre tombale pour décorer. Ah, joyeux. Super. Ah oui, quand tu meurs, en effet, tu peux récupérer la pierre tombale et après faire un cimetière chez toi. Super. Je pense qu'on va pas faire ça. On va pas, hein. Ah, vu qu'on va pas mourir. Bon, je reviens. Uh-huh. Et vas-y, on se stuff. Allez. Alors, si je retourne dans le chemin, en fait. On vient d'éclater la base. Ouais. Mec, je ne savais pas quoi faire, on a détruit la base. D'ailleurs, il y a un plastron en cuivre qui est déjà craft, si jamais. Je vous l'ai mis par terre à la base.
Moi, j'ai tout, porter, en théorie. Ouais. Ouais. Ah ouais, moi j'ai R, moi. Je sais pas où vous êtes. Je suis tout en bas, je tue des giga scarabées. Toujours que du cuivre, hein, par contre. Je vais aller au nord, moi, on se prend un peu. Ah, dès que vous êtes réduit, on peut faire boss. Okay. Ah, je sais bien, mais il y a Chipset qui est en train de remonter là, je crois. Ouais. Je pense que Marie, ouais, tu mais peux façon, remonter en même temps. Trucs, je peux remonter, ouais. Mais ça prend vraiment 2 secondes à craft. Hein. Genre, t'en as pour rien, quoi. Quasiment autant. Comment on ouvre la map? Ah oui, ok. Virgule. Ok, c'est bon. Ou M si t'as pas changé les touches, je crois. Alors. Mettre de la bouffe là-dedans. Je recommence à monter. Ouais, non, c'est bon, il y a marqué sur la minimap. Ne pas se perdre. Le déboiseur. La foreuse. Les petits crafts de bouffe qui mettent bien. C'est sympa là. Comme déco les pierres tombales, totalement. Mais totalement. C'est intéressant. Ah, j'ai fait un burrito, un wrap de piment fongique. Oh, le festin. Bonnet mon de mouton m'a fait du lait. J'ai du lait de prairie. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut un bonnet de paysan? Non, c'est très bas level, je crois. Hein, et on a déjà mieux. Ça, j'arrive pas. Plus 2 d'armure et plus 2 de chance d'esquive. Ouais, mais moi par exemple, j'ai 8 de vitamax, 5 d'armure et 3,7% de dégâts à distance. Ah, je viens d'avoir un nouveau bâton, trop bien. Oh, ça a bien été ratissé ici. Le bâton, ouais. Ouais, on a clarifié un peu la zone, ouais. Effectivement. Vous avez de la bouffe dans le coffre à côté du hot pot, là, à côté de la casserole. Des espèces de plats préparés qui donnent des bonus. Incroyable. Ah, j'ai du minerai de fer, ça vous servirait du minerai de fer? Ouais. Hein. Et j'ai de l'étain. De l'étain, j'ai de l'étain et du fer. Ah, oh, bah nice. Aussi. Je vous le mets où? Attends. Faut que j'arrive à me souvenir. Moi, le problème, c'est ma mémoire. Bah, dans les fonderies en bas à droite du gros truc, tu peux mettre les directement en fait. Ah, ok. Ah, j'ai même de l'argile, tu vois. Okay, l'argile, tu pourras pas, mais là-dedans, tu peux mettre genre de l'étain, du fer, ce genre de truc, et ça passe. Quoi. Minerai de fer, ok. Minerai d'étain. Est-ce qu'on peut améliorer le mousquet? Ah, j'avoue, c'est une bonne idée, ça. Il faut 3 barres d'étain et une pièce de rechange. On est d'accord, on peut pas faire cher, de collier et d'anneau pour l'instant. On peut pas faire d'anneau, non, pas tout de suite. Ok. Bon, on a un peu d'espace maintenant. C'est coffre en cuivre. C'est pas mal. Il n'est plus verrouillé. Je l'ai trouvé. Je savais pas comment faire pour le. Je l'ai juste mis là. Pense que si on le met par terre, on peut l'ouvrir. Il n'y a rien dedans. Ah, aussi, il y a déverrouillé des coffres. Ah bah, super. Non, on l'a juste trouvé comme ça. Après, c'est pas grave, ça fait un coffre en plus. Ok. Pour moi. Du coup, tout le monde est staff ou pas? Ouais. Je crois qu'il manque des trucs. Attends, moi, il me manque quoi? Il manque un pantalon. Pantalon, bah, si tu prends du cuivre, tu vas sur la petite enclume en cuivre et tu peux te faire un jambière de cuivre pour 7 barres. Alors, attends, enclume en cuivre, ça là? Ouais. Et si t'as 7 barres de cuivre sur toi, ouais, tu fais les jambières direct. Oh, mais culture! Ça magnifique. Oh bah. C'était un level de ramassage du tout. Ah oui. Hein. Je crois, hein, l'agriculture c'est un level aussi. Hein. Jardinage. J'ai cassé malencontreusement l'enclume. T'as cassé l'enclume, c'est pas grave. Ah non, tu peux la replacer telle quelle, je crois. Comment je pose ça? Non, les burritos là. Ton mousquet, t'as failli le casser, mec. Comment ça? Là, tu l'as mis dans le recyclage. Ah oui, non, je l'ai pas. Enfin, je l'ai mis dans le recyclage parce que je voulais essayer de l'améliorer. Je l'ai laissé, mais si quelqu'un a pu malencontreusement. Ah oui, j'avoue. Mousquet. J'avoue, mais j'attendais des barres d'étain pour essayer de le faire. Mais... Il y a quelqu'un qui m'a volé mon fût, je crois. Ah ouais? Ah bon? Non, il est. Attends, il y a l'enclume qui est par terre. Hop, je vous la remets. Il y avait un pantalon par terre, il y a personne qui a un pantalon dans son inventaire par erreur? Moi j'ai rien. Ah si. Non. Si si, totalement. Bah alors Marie, on vole mon pantalon. Bah écoute, j'ai peut-être marché sur ton pantalon. Merci. Il y a des choses qui arrivent. En direct. Comment je recycle? J'aimerais me pièce de rechange. De choses. Ah c'est voilà, pas recycle pas. Ah oui, donc bah oui, mais non. Recycle pas. Ah. Okay. Ah, il y a l'erreur. J'arrive. C'est bon, tu peux. Okay. C'est bon, il est plus là, c'est pas moi qui ai appuyé. Hein. J'ai eu si peur. On va tenter le boss ? Ouais, on peut y aller. Allez hein. C'est parti. J'attends juste le recyclage, comme ça j'améliore mon mousquet. Mousquet. Ah, on peut améliorer nos armes ?
Ouais, ça rajoute une barre de dura dessus, globalement. Ah, c'est tout. Ok, je croyais que ça rajoutait des stats, moi. Il me semble que plus tard, tu peux mettre des enchantements et des trucs comme ça. Ok. Alors, on va le fumer, là. C'est parti. C'est parti. Allez. Il m'en est des comptes, là. Hop, là. Ah, bah, 298, il a pas pris si cher, hein, je te demande. Non, ça, c'était pas impressionnant. Peut-être qu'on aurait pu... Oui. Prendre de la bouffe, ouais, c'est possible. Non, aïe. Non, mais on va le fumer, on va le fumer. Détruire les petits mobs sur le côté d'abord. En fait, ouais, t'as une strat où t'as quelqu'un qui enlève avec sa pelle tous les trucs qui collent par terre et les autres le fument. Ah ouais, ok. Non, mais ça va, mais il prend cher en fait. Oui. Alors, il peut pas nous agresser tous en même temps, donc ça va. Y'a des boss plus tard qui sont il un peu plus chers. Il m'aime bien, je pense. En même temps, c'est du tuto. C'est le berserker là. Hein. Hey, pourquoi c'est moi qui tank? Je suis un mage. Il est enragé. A l'aide. Merde, j'ai plus la bonne arme sur moi. A l'aide. À tous. J'avoue, il est mort. Il est mort. Let's go. Magnifique. Oh, oh, c'est beau ça. On va looter son coffre en plus. Pourquoi il y a Jean-Mich avec lui là? J'avoue, c'est qui Jean-Mich là? Qu'est-ce qu'il veut Jean-Mich? Coup en mana, moi je prends ça. On peut prendre un stick collant chacun. Chapeau, allez hop. Allez. Pour la folie, voilà. Je prends la bague. Hop là. Et une petite dague, hein. Quelqu'un veut une dague. Ah, y a une... en fait, la bague, c'est du mana maximum. Donc pour le magicien, c'est incroyable. Allez, hop, donc, c'est Chipset qui est magicienne. Je prends les bagues, moi. Ouais. Je peux prendre la bague, je l'ai foutu par terre. Ah, merci. C'est vraiment pas du tout pour moi. Let's go. Et c'est quoi qui nous a looté le stick collant, coup en mana, dégâts magiques? Alors, on a récupéré aussi un truc là, c'est une mécanique cool que vous connaissez peut-être, mais en gros. Là, on a récupéré ce truc-là, vous voyez, je vais le poser par terre. Ça. Ouais. Et en fait, ça, c'est de l'huile de barbe. Et en fait, ça veut dire que ce monsieur-là, en fait, si on lui fait une pièce chez lui, enfin chez nous, avec un lit, tout ce qu'il faut, si on lui met l'huile de barbe, il va aller dans la maison, il va vivre avec nous. Ah, très bien. Ok. Voilà. En effet. Donc, voilà. D'ailleurs, on peut même voler le coffre. Hein. Ouais. Maintenant, ce big coffre, on peut l'avoir chez nous. C'est ça. Mais il veut nous vendre un équipement 2. Tu peux faire plusieurs sets différents. Ah ok, trop bien. Ouais, tu peux passer de... Mais d'accord, par contre, on est d'accord que les armes, elles sont pas dans les équipements, c'est les trucs que tu prends directement. Ouais. Ok. Oh, ça rebondit. Incroyable. Ouais, c'est une arme qui rebondit, je sais pas trop à quoi elle sert, mais... Le vieux, il voulait nous vendre des trucs, mais avec une monnaie qu'on n'a pas. Il veut quoi? Je sais pas, il pouvait nous vendre des... Oui, c'est un vendeur, lui. Et on a, non? C'est un sacré vous brasseur, avez des sous, en plus, ce gars-là. Moi, j'ai pas de sous. On a des trucs, quoi. On a des... On va avoir des trucs. Ouais. Merde, je fais de la merde. Il est vivant. Ah, non. On fait un deuxième boss? Alors, regardez, venez voir en haut. En haut? En gros, là... Ah oui, il y en a d'autres, c'est sûr. J'ai allumé avec un loot qu'on a eu, le truc du boss, l'hôtel du boss. Ouais. Ça nous donne accès à des... Ah oui, il y a des crafts nouvelles possibles. Recettes. Ouh. Okay. Dont les scans des boss. Trop cool. Soit on peut scanner les prochains boss, savoir où ils sont. Ah, il faut des pierres précieuses et des pièces mécaniques. Pièces mécaniques, on a ça? Normalement, on a un peu. Je sais pas. On peut faire une épée vaseuse. L'épée vaseuse a l'air cool, ouais, si tu joues épée. Je vais la faire clairement. Elle coûte que de la forme. Hop, point de minage. J'ai oublié le nom du truc. Des pierres métalliques, c'était ça? Non. Pièce métallique. Pièce métallique, ouais. Ok. Ok, j'y retourne. Bon courage. Je vais trouver des ruines. Bien notre base, hein. Là, il y a des ruines, là. Alors, là n'est pas une information. Ah, pardon. Mais... eh bien, là où je suis. C'est mieux. Comment on fait pour dire où on est? Je sais pas, moi. C'est vers le nord, enfin moi je suis en bas et je vous vois tout en haut, donc j'imagine. Okay. Ah mais si, on se voit sur la map, regarde. Ah oui, moi, attends, oui là... moi je suis là, je suis moi. Non, regarde, super. Tu es jaune. Je suis le petit, ouais je suis le petit. Ok. Jaune. Ah oui, donc il y a des ruines vachement proches de la base. Ah mais moi j'étais descendue. Bah, là il y a des ruines en tout cas. D'ailleurs, je sais pas si je fais bien de les casser. Je vais peut-être pas les casser. Les plats préparés et cuisinés, je vais les foutre là. Bonne soin à manger à ton animal. Du lait de prairie, de la viande marbrée. Mais c'est le mouton, il nous a fait du lait de prairie. Voilà. C'est bien, bravo à lui. Il fait plaisir. Hein, le goat, un peu. Le goat, hein, totalement. Hein. Bon, par contre, je voulais lui donner un bonbon. Ça disait donne-en à manger à ton animal. J'ai cliqué sur mouton, il m'a dit je ne suis pas ton animal, je suis un peu déçu. Mais bon. Oh non.
Il veut pas. Mais non, mais rends-moi de ça, là. Je suis trop con, là. Oh. Oh. Oh, j'étais passé par où? Ah, pardon. Et le bouquin, là. Le bouquin. Qui veut le bouquin? On pourrait mettre le bouquin là. Putain, il nous faudrait tellement plein de clés, genre. Comment on fait des clés? On en fait ou on en pose? Je crois qu'il faut l'enclume d'après. Ah, j'ai compris. Okay. Potion de peau de pierre. Oh, j'ai chopé des potions d'armure. Magnifique. Qu'est-ce que je fais avec ce coffre là? Trop de coffres. Des coffres dans des coffres. Je mets des coffres dans des coffres là. Ah, je voulais tester de faire de la cuisine. Le pudding de B Mirwatt. C'est du cuivre ça? Ah, ça a l'air pas mal. Seulement hein. De situation. Tout le temps faim. C'est toi, tu parles tout le temps de bouffe. Moi? Moi? Ouais, mec. Bah, j'ai faim, quoi. Mais faut manger. Hein. T'as jamais eu vraiment faim? Oh, si. Si. Non, gros gars. Le mouton donne du lait, ça y est. Bah, les nouveautés par rapport à leur lit pour l'instant. On a vu que, en gros, ils ont dû surtout rajouter du endgame, évidemment. Mais après, il y a déjà des systèmes qu'on connaît pas, genre les animaux. À l'époque, quand on jouait, on pouvait pas s'occuper des animaux en élevage. Et là, 1.0 sortant mardi, il y a aussi des trucs qu'on pourra pas voir aujourd'hui, dans tous les cas. Oui. Il est vrai. J'arrive pas à aller dans les ruines, il y a un trou, mais c'est pas avec de l'eau. Les ruins. Je peux mettre de la terre pour oula, combler. Oula, pierre précieuse là. Ah si. Ouais, les pierres précieuses elles nous servent pas à faire genre des colliers ou des bagues. Peut-être pas celle-là. Mais plus tard le craft de bagues et tout, je sais plus exactement comment ça se fait. Les pierres bleues là qu'on trouve, je crois que c'est plus pour justement rechercher les boss. Ah ok. C'est des pierres en mode un peu losange. Ouais. Ouais. Je crois qu'on parle de ça. C'est ça. C'est pour rechercher les boss, on est d'accord. Ouais ouais. Je peux pas miner les trucs des ruines. J'y suis arrivé. Nouvelle mais zone, nouveau skill tree. Les mobs qui te suivent, des améliorations de certaines mécaniques. Forus par exemple. De toute façon, après le jeu était en 0.9.9. Donc vraiment, ils étaient pas loin de la 1.0. Moi, quand j'avais joué, c'était la 0.6. C'était il y a 2 ans. Je pense qu'il y a plein de trucs qui ont été ajoutés que je connais pas. En fait. Alors, j'ai trouvé quoi ici? C'est mine. Alors, donc moi c'est bel et bien une nouvelle zone que j'ai, sable. Mais je mets à peu près 8 heures à miner un bloc quoi. Mais... Ouais, d'où la nécessité peut-être de faire une pioche en étain maintenant. Regarde, on est à côté. Si on a assez d'étain, tu peux te faire une pioche en étain et là tu iras plus vite à miner. Ah, vous en avez déjà? De l'étain? Il y en a un peu à la base, je sais pas si on en a assez pour faire une pioche, mais il y en a un peu. Eh bien j'arrive. Oh, ce sable, miam. Miam. Oh, tout ce vert là. C'est la folie. Peut-être qu'en mettant des points. Oh non. Ça commence à grimper. Ah, je vais tester la pioche en étain. Le minage va être complexe. Ah, mais il y a du minerai stylé par ici. Je m'en fous, je vais prendre 1000 ans. Je le casserai. Vous êtes loin. Ah, vous êtes loin. Hein. Là-bas, vous avez trouvé des trucs bien. Au secours, la base est envahie. Okay. Ah ouais, envahie comment? Il y a des blobs qui commencent à venir chez nous, ils sont pas contents. Ah ouais, mes cultures. En vrai, ça va. Enfin, ils sont pas sur les cultures, ils étaient quand même encore un peu loin. C'est juste qu'on a étendu vraiment, on a tout creusé avec des FG, on a un peu trollé. Tous ces morceaux de verre pour faire de la déco là. Oh, j'ai trouvé du fer! Incroyable. Le fer, c'est juste la folie quoi. Oh, je mets à peu près 1 minute 30 à en miner un, mais c'est worse. Il faut quoi pour ça? Des pierres précieuses anciennes et des pièces mécaniques. Ok, des pièces mécaniques, je commence à en ramener un peu, mais. On en a, hein. Okay. On a? Vas-y, ouais, je vais craft. Attends, mais Gorm le dévoreur, c'est celui qu'on vient de faire, c'est ça? Oui. Donc là, si on veut le prochain, il me faut plus de sucre.
Ok. Il faut plus des scanner de Malugaz le corrompu. Donc là maintenant si je fais ça. What? Attends, mais ça a changé ça, non? Ah, on le voit, Malugaz. Vous avez vu sur votre map ou pas? Sur votre map, normalement, il y a une tête de mort maintenant. Ah ouais? Bah, lui, ah c'est ouais le deuxième boss. Là. Attends, il est. Oh là! Mais oui, il est. Ouais. Il est à l'autre bout, hein. Gorm, on l'a pas tué, on me dit. Ah merde, c'est pas Gorm qu'on vient de tuer? C'est celui d'en haut, je sais plus comment il s'appelle. Ah merde, j'ai plus d'espace. Merde ça, alors. Celui d'en haut, il s'appelait. Gorm, le dévoreur. Gorm, la masse. Ah oui. La basse, masse bon bah il nous faut encore, si vous avez deux pièces mécaniques, je suis chaud. Hein. Ah bah, j'en ai, j'en ai une. Ramenez-en deux et c'est bon quoi. On peut faire le scanner j'arrive pour le deuxième boss. Oh merde. Pièce mécanique, j'en ai une. Le scanner. Je la mets dans le coffre ou je te la donne direct? Bon, pff, dans le coffre ou par terre, c'est vraiment c'est pareil. Tiens. C'est quoi? Hop, merci. Et... De toute façon, pour l'instant, je peux rien en faire parce qu'il en manque une. Et moi, j'ai dit que je voulais vérifier l'étain. On a trois barres d'étain ici. Pour faire une pioche, il en faut trois. Trois barres d'étain, il en faut trois. Incroyable. Si t'as trois barres d'étain, tu peux faire une pioche avec un peu de bois. Totalement partante pour acquérir cette pioche. Je ne dis pas non. Bienvenue par ici, ici par ailleurs. Bon, my bad. J'essaye de me concentrer pour pas ne pour pas faire n'importe quoi. Mais je fais quand même n'importe quoi. Bah. Mais... Just joining quoi. On fait quoi du coup? On fait le, on va faire le boss. Je pense qu'il faut pas mal creuser pour y aller. Mais en vrai, je vais me faire une pioche en fer. Non, bon, on va avoir un scanner plus proche. La pioche en fer, on peut pas la faire tout de suite parce qu'il nous faudra la table d'établi qui permet de le faire. Ah, ok. Mais j'ai fait fondre du fer. En fait, l'établi en fer, il faut 15 barres de fer pour pouvoir le crafter. Et une fois que t'as cet établi-là, après, tu peux craft des pioches en fer. Ok. Il te fallait quoi, toi? Une pièce de mécanique, là. Une pièce mécanique, une seule. Non, j'en avais deux. Où est-ce que tu les avais mis, les barres d'étain? Je les ai filées. Ah ouais? Je suis débile. My bad. Les barres dans le coffre de craft, je crois. Dans le coffre de craft. Toi, elles sont de quelle couleur? Les barres d'étain. Ah, les barres d'étain, moi j'ai fait une pioche avec. Je suis désolé. Bon, ça, si tu ramènes de l'étain, tu peux les mettre dans les fourneaux et dès que t'en as trois, tu peux faire une pioche. C'est quoi ça? Ah, c'est le scanner du boss. Donc là, normalement, on va avoir le deuxième boss sur la minimap. Donc c'est le rouge, mais normalement, je crois qu'il tourne. Je crois qu'on va le voir bouger en fait. Il bouge, ouais. Ah, il bouge, Oui, il bouge. Okay. Il est déjà moins loin que le troisième. Ah ouais. Y a moyen de le choper quelque part en vrai. Alors. On peut le cuire dans la rotation. Ouais, exactement. Il est bon, il est bon. Il est bon. Ça me parle, mon brother. Je répare par et ça, du coup, je pense que je vais aller voir. Je vais essayer de le choper au vol. Il y a trop de trucs. Non, mais je crève la dalle. Dans le jeu, dans le jeu. Évidemment. Je vais prendre des petits burritos là. C'est jamais avec lui, c'est le problème. Précise maintenant. C'est important de bien manger en vrai. C'est vrai. C'est même nécessaire. Ouais, j'ai plus. Il faut que je rentre là, c'est vrai que j'ai plus de place dans mon inventaire. Pareil, j'avais plus rien. Ça. Autant, mais il doit pas être loin du tout là. Moi, je passe à côté de lui là. En fait, on a déjà creusé assez sur la gauche pour trouver le boss, je crois. On peut l'intercepter. Il est vraiment pas loin là. Oh! Mais Cook, ça fait des trucs aussi ou pas? Ça, on peut y aller. Cook, c'est artisanat, je crois. Ah non, il y a cuisine. Il y a cuisine aussi? Ouais. Ça, c'est la folie. Il y a Cook. Trop de choses à faire en même temps. Ah, je suis sur l'endroit de son passage là, je crois. Tu veux qu'on vienne et qu'on l'intercepte? Ou on a bah pas là, encore... il va faire tout le tour, donc il va falloir attendre qu'il repasse. Et je crois qu'il faut qu'on trouve une strat pour l'arrêter. Parce qu'il s'arrête pas en fait, il vient et... Je crois que c'était là, il s'arrête. Ah ouais? Il me semble, sinon on peut juste creuser des grosses tranchées et attendre qu'il arrive. Ouais. Bon, ça marche aussi. Ça marche aussi, ouais. J'aurais dû vous laisser des petits... Oh. Ah bah là c'est bon là, les cavernes d'argile, je suis devant son passage là.
J'aurais dû vous laisser des petites torches sur le chemin pour savoir par où passer. Après, on peut te voir sur la map. C'est mais... vers où que t'es parti? Nord-ouest. Nord-ouest. Ouais, bon, bah, nord-ouest. Normalement, ça se trouve assez bien ce que j'ai fait, mais. Il y a 650 coffres. Je n'en peux. Ok, c'est bon. Coffre peut être peint. Ah. Jamais trop tard pour cartographier. Je vais mettre un peu de balisage là. Ça, j'avais fait en trop. Je suis pas doué. Mais. Ok. C'est bon, j'ai trié l'inventaire. J'arrive. Ah non, vous êtes revenu. Je n'arrive plus. Même moi, je repasse pas par là où je suis passé à la base. C'est trop grave. Hein. Ouais, normal, normal. J'ai deux pioches, je vais retourner en bas. Je vais retourner en bas, je vais recasser les trucs en bas et puis voilà. C'est trop bien après de se faire ces petits chemins de fer là pour aller partout. Mais oui, de fou, ça par contre, ça a l'air trop bien. Les petits, petits rails là. Petits wagonnets. Et attends, à creuser ici. Je suis curieux de voir le perso que j'avais joué de base. Combien de niveau de pêche j'avais. T'avais beaucoup pêché? Franchement, je crois que j'avais fait que ça. La personne de l'équipe qui pêche pour tout le monde. Ouais. Il en faut bien. Parce qu'il y avait des... En fait, t'as des poissons qui font des plaques, sont vraiment forts de mémoire. Ouais. Ils peuvent donner des effets combinés avec le reste qui sont OP, je crois. Deux zinzins. Oh, les zinzins. Je ferai de l'espace, ça a l'air en zinzin. Dans tout le bois. Sait-on jamais. Je continue à descendre, mais il y en a mais pour par un où moment. Je reviens là, je suis débile. Ah, je me rappelle de ça. On fait quoi? On va à nord-ouest pour essayer de préparer un truc pour le boss? Yes. Allez. Oula. Ah bah voilà, vous êtes là. C'est pas moyen de. Ah. Ouais. Faites ça. On est tous là-bas, nord-ouest. En fait, ouais, quand t'appuies sur Shift, ça switch ton 1 et ton 2, je crois. Du coup, quand t'es en train de miner, si tu mets tes lampes torches en 2, en fait, t'as juste à faire Shift, clic et tu peux placer des lampes torches tout en minant. Génial. C'est extraordinaire. Je trouvais ça, là, je trouvais ça fou. Magnifique. En vrai, c'est incroyable. Ah, ça te met sur les torches dans tous les cas, on me dit, ok. Bah, Shift, ça met sur les torches, quoi. Ah ouais. Incroyable. C'est le glitch, je vous ai toujours dit. J'avoue, pas mal, pas mal. Moi aussi. C'est vraiment de mes gouttiers. J'arrive, hein. J'étais loin, mais... promis, j'arrive. Je passais juste à la base, deux secondes, moi, pour ranger un peu le merdier. Je suis revenu avec Vlad les saloperies. Un œuf loyal. C'est un œuf orange? Non, oui, un peu rose-orange, ouais. Ah, j'ai posé un œuf tout à l'heure, je me suis dit qu'il a l'air cool. Bon, je vais pas l'éclore. Je dis pas que c'est le mien, c'est pas ce que je veux dire, les gars. Je me suis vu sur la meuf, j'ai fait c'est qui toi? Il est pas avec nous? Je dis pas ça. Ça va. Aïe aïe aïe. Ok, qu'est-ce que je vais faire des colonnades de pierre là, on s'en fout. Vous avez mis des torches sur le chemin? Ah, mais non, il y en a partout. Il y en a partout. J'ai fait ça un peu à l'arrache. Hein, mais... Il y a des chemins, quoi, tu vas en trouver. Ah, bah nickel. J'ai balisé un petit peu, quoi. L'œuf, pour l'instant, on n'a pas d'électricité, donc on peut pas le faire avec l'or. Et ça va arriver fort, je pense. Comment on a l'électricité? Je crois que ça va être avec le fer. Et après l'étain. Je te suis, hein. Je sais pas où je vais, mais... Bah, il me semble que ici là, ouais. Il va pas tarder à passer. Là, il est diamétralement opposé, mais en vrai, il va pas tarder. Ouais, il va pas tarder, ouais. Franchement. Un petit quart d'heure. Il y a moyen d'enlever la vase de merde par terre avec la pelle. Ouais. Après, je crois que dès qu'il va arriver, il va en refoutre partout. Donc, oui, il en... Et qui est mort? Quelqu'un est mort. Marie s'est fait one tap. Quelqu'un de muté. Non, c'est moi, j'étais en train de regarder ma map. Aïe aïe aïe, depuis la pénombre en plus. T'es fait attaquer par un gobelin depuis la pénombre. Dégoûté, je l'aurais marave si j'avais vu.
Du coup, tu veux faire quoi? Nous aussi, mais on a vraiment rien vu. De quoi? Tu veux creuser une tranchée? On peut creuser une tranchée. Moi, à l'époque, je crois que j'ai la dynamite directement, mais on n'a pas de dynamite, donc... Moi, je creuse une tranchée. Alors, pour creuser la tranchée, c'est quoi déjà? Pour enlever des blocs au sol? Ah, donc c'est pas ça une tranchée. D'accord. Donc moi, j'ai juste fait un passage dans les murs. Une tranchée. Ouais, ouais. Une tranchée. C'est pas logique maintenant. Mais... Avec ça, il va tomber, genre. Je sais plus, mais il y a peut-être moins qu'il arrête de creuser. Bon, ça, je joue en il arrive bientôt, hein. Il arrive bientôt, le mob, là. Ah ouais. Ah, regardez, il a fait le tour, déjà. Ah oui, il arrive bientôt. Mais on peut juste taper pour qu'il creuser. Je regarde creuser parce que j'ai pas de pelle, mais courage, hein. Franchement, tu t'en sors très bien. Il va rien faire, hein, je crois, il va juste passer au-dessus du vide et il va nous dire bonjour. Il est quasi là. Ah, ça y est, on va taper, ouais, on va taper. Il en a eu rien à foutre, hein. Je crois qu'il est un peu trop gros quand même, hein. On lui a fait des dégâts, là. On lui a enlevé peut-être 10% toi, tu veux le faire comme ça, tu veux le ping à chaque tour? Non, bah, je crois, hein. On est obligé de toute façon. Si on voit qu'ils ont soigné pas, on peut faire ça. Bah, je crois qu'on est obligé de toute façon. Non, parce que t'as des strats où tu peux l'arrêter. Moi, je sais que je l'avais arrêté en solo avec des bombes. Quand j'avais posé des bombes au moment où il arrivait. Il a totalement rebouché notre trou. Oh, il y a de l'or. Oh, de l'or. Minerai d'or. Oh. Les bons goldos. Oh, c'est ça de l'étain. Alors, peut-être. C'était non, ma pioche est bientôt. Oh, Seigneur, ça existe. Je possède de l'étain. Oui. Là on est dans un biome T2, donc ouais, il y aura beaucoup d'étain normalement. Ah voilà. Bon, beaucoup d'étain, j'en ai un. Donnez-moi de l'étain. J'ai réussi à rester solide. Attendez, en vrai, je vais aller me faire une pioche parce que... Voilà, avec l'étain qu'on va ramener, on va pouvoir se faire des pioches plus solides. Moi, ouais. J'en avais ramené de l'étain déjà, je peux en faire une, je pense. Oh miracle. Oh, de l'étain, il y en a partout. Il y en a vraiment beaucoup. Incroyable. Là. Et vous régalez. Quelle beauté. Magnifique. Même du fer, je crois. Ah non, c'est bien de l'étain encore. À moi. Tout l'étain. C'est bon, je reviens. Quoique, attends, non. C'est quoi le plan avec le boss, du coup? Bah, ah, je pense qu'on tape quand il passe, hein, c'est tout. Hein. Ou alors on a déjà des bombes, on peut ramener des bombes depuis la base. Je crois que c'est dans le coffre où il y a les pierres précieuses. Il me semble qu'on a des bombes basses là-dedans. Waouh! Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh, je vais mourir. Oh, je vais tellement mourir! Je suis mort, putain. En même temps, je le tue, j'ai trop le seum, je t'ai bloqué. Des bombes, hein. Ouais, moi j'y vais. Pas par le bon chemin, mais. Ah, mais en fait, on perd pas tant que ça. On perd quasi rien. À part les ressources, quoi. C'est quoi ça? On perd des trucs quand même, mais on perd pas tant. Tant mieux. Ouais. Bois, feu. Ouais, en fait, tu gardes ta tout le bar. Ouais, tu gardes toute la barre de 1 à 10 et après tu perds tout ce qu'il y a en dessous. Je pensais qu'il y avait de l'étain, mais non. Tout le monde baille là. Ouais, je te jure. Mais pardon. C'est contagieux là. C'est pareil. Hein. Non, mais la vie est trop fatigante. Hein. Attends, comment je fais? C'est tellement vrai, mec. Tellement la fatigue, quoi. C'est dur la vie. Ouais. Fatigué de vivre. Fatigué de vivre. Oh là là. Ce stream de dépressif là. Terrible. De dormir. Je me suis perdue. C'est par où? C'était si. J'ai pas pris les bombes, non. J'avoue que je suis venu chercher mon stuff et j'ai totalement oublié ce que je voulais faire. Donc j'ai. Je crois. Non, c'est bon. C'est notre base. Je reviens avec les bombes. Si je les trouve. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Là où il y avait les pierres précieuses. Hop là, on ramasse tout. Ah, j'ai looté 6 barres d'étain dans un coffre, incroyable. Quoi? Bombe rudimentaire et bombe tout court. Magnifique. On sait se régaler par ici. Hein. On sait manger. Il est bientôt là. Hein. Il va me marcher dessus là. Ouais, ouais. Il va refaire un tour, je pense. Le vlac qui passe. Il passe déjà là? Il s'est heal en faisant le tour d'ailleurs. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est heal. Ouais, je crois qu'il s'est foutu. Voilà. Faut bien réussir à l'arrêter, hein, sinon c'est mort. Est-ce que sinon on irait pas voir celui qui est tout en bas? Il va être plus dur celui-là encore. Ah ouais, c'est le troisième. Ah ok. Ouh, mais là il y a. Ouh là là, mais c'est la caverne ici là. Ah merde, c'est du cuivre.
Oh non, il y avait là les trucs, mais c'est du cuivre. Bah, terrible. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ah chier, non. Ok, je reviens avec les bombes cette fois-ci. J'arrive. Et je retrouve le chemin. On revient. Magnifique. Tu te souviens du chemin? Ouais, je crois que c'est par là. Hein. Ah. Et après, en haut, là. Ouais. En haut? Ouais. Mais je suis trop con. Parfait, là. Oh, ouais. Non. C'est quoi, okay. Ici? Une arbalète en bois. Une potion enragée. Après, c'est en haut, là. Je crois que c'est en haut, hein. Attends. C'est en haut, ouais. Non, t'as raison. Oh, je crois en mousquet. T'as raison. Merci pour les raids, c'est gentil. Merci beaucoup. Une capuche caverneuse. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai pas dégâts les physiques au corps à corps. Quelqu'un veut ça ou pas? Je suis une fois sur deux, ça. Pas moi. C'est une tête niveau 7. Vous avez passé une bonne soirée. Oh, oui, je veux. Oh, regarde là. Je suis très chaud de la voir. Par là. Ah, faut que j'aille voir DFG, du coup, je sais pas où il est. Non, mais je le mets là quelque part, je la récupère. Attends, moi j'ai les bombes. Ah, faut que je sais pas comment les partager, je peux juste tout faire tomber, mais. Tiens. Tu peux diviser la pile. Attends. Tu peux diviser les piles en faisant des shift-click sur les items. Ah, fort bien. Comme ah, ça. Bah bien, j'ai tout récupéré. Et du coup. Non, j'en ai, hein. Là, j'en ai 4 et j'en ai 3 de. Ah ouais? Ah, ok. Ouais. Et toi, t'en as marre ou pas? J'en ai une. Du coup, j'en ai récupéré une. Après. Je me rends pas compte. Regarde sur moi, là, y en a une qui est à côté. T'as juste à passer dessus, je pense. Magnifique. Tac. Et encore une là. Ouais, parfait. Je pense que tu la récupères. Bon, du coup, on l'attend. Il y a une bombe et une bombe rudimentaire. J'ai 3 bombes rudimentaires, moi, et j'ai une bombe normale. J'ai trop d'objets dans mon inventaire, je sais pas quoi faire. Ouais, la même. Il me faut un sac. Faut les ranger un peu. Ranger, ça marche aussi. Ouais, ouais, les poivrons, ça me tue. Ça a du sens. Poum. J'attends qu'ils reviennent, voir ce que ça fait les bombes. Il est tout en bas là. Donc, il commence capuche. À revenir. Parce que s'il se heal à chaque fois, il faut qu'on lui. Ok, ah, on le one shot. La clôture en bois. Ok. Les 12 barres là, vraiment. Quoi? Ah, on peut faire de l'or là-dedans. Du coup, juste tu la poses la bombe et elle explose. Oui. On a autant de barres de fer déjà là. What? C'est possible même. La bombe, juste j'étais revenu pose, avec et... un peu de fer moi. Genre 6. Ah bah je vois ça. La bombe, on la pose, il va la manger, je crois. Ouais. Il va la bouffer? Bah, je crois, il me semble aussi, ouais. Ok. Ok, alors attends. Peut-être avec un autre jeu. Et si on la pose, genre maintenant, elle explose ou pas? Il arrive là, hein. Il nous arrive là-dessus. Ouais, il arrive. Ah! Ah, je sais pas! T'as déjà fait le tour là? Ok. Ah! J'ai tué! Mais alors, il s'est barré, hein? Lissan Al-Gaïb, t'es monté dessus là? Il m'a peut-être. Il m'a peut-être tué là, on sait pas. Peut-être roulé dessus. Mais vraiment, peut-être quoi. Aïe, aïe, aïe. Des trucs pourris là. Où personne se sert. Bon, je sais pas comment ça marche, je me souviens plus. Ça a pas marché, hein? Il a pris des dégâts au moins ou vraiment il en a eu rien à foutre? Mais... D'accord. On l'a tapé mais bon, ça l'a pas choqué. Quoi. Ça l'a pas choqué. 4 bombes par terre, il s'est dit ouais, tranquille. Ouf. Petit dimanche soir. Donc il va falloir autre chose. Je vais la garde, mais c'est pas là. C'était par là? C'était par là, ouais. Mm-hmm. Allez, il me faut du bois. Okay. Il me faut du bois. Oui, mon inventaire. L'établi j'ai plus en d'inventaire, fer. Moi. On a l'établi j'ai juste en fer. Une tombe. Super. On peut déjà faire l'enclume en fer. Mmh. Bon, en vrai, wow, je vais retourner à un endroit avec le feu. Hein. Comment on répare ça? Eh bah, nickel, une tombe. Ouais, bah, c'est ma tombe. Je peux la récupérer et je peux la planter. Tiens, la capuche pour, DFG, c'est décorer. Toi ouais. Super. Bon, je vais retourner dans l'endroit. Je sais que je fais 18 allers-retours, mais je suis perdu. Une belle capuche, hein. Oh, c'est une belle coiffe.
C'est du pas mal, oh, quoi. Pardon. Je t'en remercie. Si vous voulez emporter de la bouffe, en vrai, n'hésitez pas dans le coffre au-dessus de la marmite, il y a vraiment masse. Hein. C'est vrai qu'il y a de la bouffe, ouais. C'est quoi, c'est encore du cuivre, ça? Oh, ça, c'est de l'étain, ça. Je le reconnais maintenant. Ma famille, lui et moi. Ouais, là, au milieu, il y en a un trop stylé, là. Alors, attends. Je n'ai pas l'arrosoir. Où suis-je? Mais c'est pas du tout là où je veux aller. Tiens, le gros arrosoir, c'est avec des barres de fer. Oh, c'est mis à de l'or ici. Barre de fer. Arrosoir, barre de cuivre. Ah non, tu voulais y aller. Oui. Non, t'inquiète, tu peux. Je voulais tester, mais. T'inquiète, moi d'eau. Je retourne dans mes ruines. C'est quoi du coup? Ouais, minerai d'or, ouais. Magnifique. Hop. Oh non, ça c'est des okay. bons. Ok, bah moi j'ai des bons, je suis prêt, on peut essayer d'y retourner si vous voulez, ou sinon, attends. Mais disons que ça n'a pas servi à grand chose les bombes. Ah ouais? Bah. Ça a fait de la merde, genre. Il les a légèrement ignorés, on va dire. Il est passé à côté. J'avais fait pour l'arrêter, je me rappelle même plus. Il y a si longtemps. Oh, il y a un mob qui m'a. Ah merde, mais c'est des barres de fer, ça, c'est pas de l'étain. Pas de l'étain, il y en a plein, normalement. Qu'est-ce que tu fais avec le fer, mec? Par là. Le fer, j'ai fait l'enclume déjà et la table d'artisanat. Là. Ok. Et il faut faire. Non, l'enclume, c'était le truc où il fallait 15 de fer, c'est ça? Maintenant, on peut faire les autres trucs. La dague en étain, le lance-pierre. Hey! C'est par là. C'est niveau magnifique. 5, moi j'ai niveau 3, niveau 3. Et la maison. Mais on est envahi de nouveau, c'est quoi ça? Ah ouais, on se fait envahir là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Faut faire c'est des abusé. Murs et tout ou flemme en soi? Parce que j'ai vu qu'on pouvait tu construire peux, hein. des barrières, tout ça, machin. On est un peu censé, ouais, normalement. On est censé. On est un peu censé de construire une baraque, mais ça peut venir après. D'accord. J'avais pas posé masse de bombes. Ah, il est là. De mémoire, mes bombes, je les avais mises là, mais je crois qu'on les a toutes prises là. Bon. On. Alors, par on, je veux dire je. J'ai tout pris, mais je vous ai tout transféré. Je vous avais tout donné. Ah mais peut-être moi j'avais fait plus que ça. Peut-être moi j'avais fait de la dynamite contrôlée à distance. Ah, genre j'avais posé tout un. Ah oui d'accord. Genre tout un pont de dynamite. J'avais mis un petit câble et j'étais allé dans la grotte à côté et j'avais fait boum quand il était passé, je crois. Ça peut être un plan. On peut totalement faire ça. On va se tenter hein. Sinon on me dit les pics. On peut peut-être craft des pics. Ah pas con. Pour faire des pics, c'est sur avec du bois, j'ai trouvé l'enclume, non? Non, non c'est, où c'est dans le truc de base. Ah ouais, faut faire des pics avec du bois. Et on va vous faire ça. Après, s'il se heal à chaque tour... Non, mais en fait, le but, c'est de l'arrêter. En gros, tu peux le trigger pour qu'il s'arrête et qu'il lance le combat sur place, tu vois. D'accord. Et toi, t'as réussi à faire ça tout seul? Ouais. Moi, j'ai fait de la dynamique, je crois. Les boss scale sur le nombre de joueurs. Ouais. Ah, d'accord. Quand t'es tout seul, c'est pas... Non, puis tout seul, tu vois, j'y suis peut-être allé beaucoup plus tard dans mon playthrough aussi. Ah ouais. Genre j'avais déjà là les meilleurs stuff et tout. T'as combien de pics DFG là? 50. Pas mal. Ah oui. Ça devrait bien, non? Je prends juste de la bouffe, histoire c'est de les pièges à piquant en bois, je m'en fous. C'est ça, hein. Ou il y a d'autres trucs. C'est les pièges à piquant en bois? Ouais. Paire de mystérieuses poupées, objet de valeur. Deux poupées vertes habillées comme cul et chemise. C'est quoi ça? J'ai peur un peu. Des poupées. Habillées comme cul et chemise. Bizarre un peu. Bon, moi je vais au point de rendez-vous. Rendez-vous point. Il faut plus de piques ou on a assez de piques? Je pense toujours 50 plus. Ça pourrait le faire, toujours mais plus de piques. On peut essayer d'en faire plus. Mais... On a beaucoup de bois, donc ça va. Ouais. Je me rappelle que t'as besoin de tellement de bois plus tard que j'avais fait des fermes de bois, je crois. Ouais. Ah ouais. Ouais. Tu fais des fermes où le bois repousse à l'infini et t'arrives et t'as juste à tout couper, tu repars et ça repousse. Ouais. Ok. Avec des arroseurs automatiques et tout. Je me rappelle d'un truc comme ça. C'est quoi ça? Ah, c'est les pics que c'est les fameux picots. Mais nous, on peut marcher dessus, nous. Ouais. Ouais, okay. T'inquiète, tu peux. Ok. Il en est où là, le mob? Il arrive, hein. Il arrive. Ah ouais. Si il est là picot, dans pas longtemps. Oh non, il va arriver avant moi. Courage à toutes et tous. Aïe. Ça va le faire, on va le plumer, je pense.
Donc il s'arrête, hein. C'est le seul truc. Bon, c'est bon, j'ai enfin fini de manger, je tiens à vous le dire. Oh, wow. Ça fait une demi-heure que tu manges. Ça fait une heure que je mange. Ouais, en vrai, ouais. Je mange de manière très lente, pour bien digérer. Mmh. Et de pouvoir game en même temps. Ah, ça y est. Attention! Il prend! Ouais, mais stop, il s'arrête toi, pas! Il prend, mais il a tout enlevé surtout, il a tout pété. Oh, oh le bâtard! Il a pris combien de vie? Pas beaucoup. Il a pris un bon dixième, quoi. Pas ah. plus. Ah! Peut-être qu'on lui fait pas assez peur hein, pour l'instant. On est donc pas suffisant. En vrai, la dynamite, ça marche bien. J'ai fait le pont de la rivière Kwai, hein, ouais. Pan. On m'a dit qu'il était devenu optionnel ce boss, je crois, dans la progression. Ouais. Après, moi j'ai envie de le fumer, hein, mais. Moi, il n'est pas une option. Ah, ouais, bien sûr. Sinon, comment est-ce qu'on fait la dynamite? Je crois que c'est plus tard. Ah. Dans les crafts, sûrement au moment du fer, je crois, tu peux commencer à faire de la dynamite, je crois. C'est pas en lui vrai, qui est optionnel, on me dit, ah bah non, il est pas optionnel. Non, c'est pas ça que je voulais faire, moi. Je... C'est pas lui en fait. Les infos du chat de Chiche, hein, vraiment. On commence pas, hein. Y'a que moi qui ai le droit de leur dire normalement, hein. Mais c'est vrai. Ah, c'est confirmé. De toute façon, ça démange jamais, hein, je peux dire. Genre, vous pensez quoi de ça? En deux messages, j'aurais à chier ou exceptionnel. Oh, bah oui, normal. En deux messages. Universel, ça. C'est la spéciale. La dynamite, levier, plaque de pression, lampe, générateur d'électricité. Mais on peut déjà faire de l'électricité en fait. Le paquet de dynamite. Ah mais on peut la faire la dynamite en fait. Ah mais nickel. Ah c'est la folie la dynamite. Faut des piments bombes, de la vase et des barres d'étain. Après de la vase on en a juste plein. On fait des piquants comme ça, on en fait juste. On peut en faire 50, on en fait 300. On a plein de piments bombes. Ouais, on en a plein. Ouais. Et des barres d'étain. Bon, je vais faire des paquets de dynamite, ça va être fou. Je veux pas qu'on fasse 300 en piège. Je suis pas sûr de 300 pièges, mais après. Ah, 50, avec 7 paquets de dynamite, quand il va passer, il va rien comprendre, je te le dis. Hein. On peut faire piège bah, plus dynamite, comme ça on est vraiment sûr. Détonateur externe, comment on fait déjà? Réparer. Minerai d'étain là-dedans. Je me rappelle que j'avais vécu un grave accident aussi en testant la dynamite, mais. Oh non! Ah. Alors je sais plus comment ça marche, le chat va me dynamite dans la maison, s'il te plaît. Hop là, ma petite pioche. Comment on fait pour activer la dynamite, le chat? Qu'est-ce qu'il faut craft? Émet un très faible courant électrique, trop faible pour alimenter les objets, mais utile pour modifier le comportement des circuits logiques. Ah, si tu les mets sur le chemin, il va les faire péter lui-même. J'en ai assez. Ah bah go comme ça alors. Voilà. Il les fait péter lui-même. Bon bah c'est reparti hein. Amener non, au pire d'autres pièges en plus et avec la dynamite ça devrait le faire je pense. Famous last words. On sait avec les HP que j'ai là. On peut pas faire fondre de l'or. Très bien. Pas encore, il faut une meilleure fonderie je crois. Il faut une meilleure fonderie. Et bien c'est parti. Il arrive bientôt je crois. L'ultime aller-retour. On allait faire un prêt sans moi. Je commence à connaître le chemin. Il arrive bientôt. Ah oui, non, mais il arrive bientôt. Genre, il est là en fait. Ouais. Ouais. J'y arrive. Mais je serai là après. J'ai posé toute la dynamite. Ça lui a rien fait. Hein. On m'a vraiment menti sur le fait que la dynamite. Ah non, non! Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça lui a fait un truc quand même, il revient. Tu l'as pas activé? Attendez. Elle s'est barrée. Je viens de trouver un bug, j'ai 1407 paquets de dynamite. What? C'est vrai? En fait, il est passé sur les dynamites et ça les a dupliqués à l'infini. Du coup, j'ai maintenant 1407 paquets de dynamite. Regarde, je vais pas mettre parfait. C'est parfait. Je pense qu'avec 1407 paquets, il risque de s'arrêter parce que bon. Mon PC aussi risque de s'arrêter, je pense. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut quand même les activer à distance. Mais alors, je sais plus comment on fait. Mais comment Les active en marche. Ah, mais non, mais ça, il peut pas les activer. Non, il faut si un circuit logique ou je sais plus quoi. En fait, il faut un que truc. En fait, justement, si tu les allumes pas, il va passer dessus et il va faire le bug dont je t'ai dit. Qu'il va... En gros, tu vas revoir des paquets de dynamite au sol et il y en a 500 au lieu d'en avoir un seul. Quoi. Mais avec une torche, est-ce qu'on peut pas juste. Prends un générateur, faut juste un fil et un levier, on me dit.
paquet de... Un film, mais où est-ce que tu trouves un film? C'est les problèmes de ton histoire là. Mais non, mais t'inquiète. Alors que 600 pièges en bois. Tirez dessus. Tirez dessus. Mais ils sont pas allumés. Tirez dessus, genre. Avec mais je vais prendre fil et levier et on va faire une dinguerie, vous allez voir. Non, mais la strat c'était ça. Un levier, il faut 3 bois et 2 barres de cuivre. Moi, je pense que l'attaque c'est 600 pièges. J'en ai mort pas. Non, piège ça fait 1000 de bois quand même. Ouais, oh, mais attends! Je crois que j'ai réussi à en exploser une juste en tirant dessus avec un bâton. Ah, bah ouais, ça. À quoi que, attends, non. Même moi avec mon truc de mage, non? Mais dis un fil, un levier. Les fils, comment on fait les fils? C'est les circuits croisés là? Ou câbles électriques? Connecte les sources d'électricité aux machines et autres dispositifs. Parce que ça fait boum, mais je peux le ramasser quand même, c'est quand même particulier. C'est ça qu'il faut le chat, mais il n'y a pas d'électricité, je comprends pas. Ah mais si. Câble électrique, oui. Une barre de cuivre, ok, bon bah vas-y, ça va être une folie. J'y crois. Mais du coup... Il arrive bientôt ou pas là? Non, il est à l'opposé. Non. Ok, bon, nice. C'est pas à l'opposé quand même. Il est en bas, pièges, ou il est dans le sud. Dans le sud. Il est au niveau du sud. Ok, ok. Ok, je vais faire des pièges. Fais des pièges si tu veux, mais viens quand pièges. Même. Ne loupe pas oh. Ça quoi. J'arrive. Je suis en RP coyote là, j'avoue, je veux fumer bip bip. Il va y avoir un sacré paquet de dynamite. Y'a pas un monde où on peut l'OS avec tellement j'ai de dynamite là en vrai. Tellement on va avoir de pièges. Fais un test avec une dynamite. Ah mais j'ai qu'un seul levier si vous voulez. Le levier peut-être il est à réutilisation. 400 dynamite, 800 pièges, s'il meurt pas c'est que c'est pas maintenant, c'est pas notre heure. Hein. Ouais, j'aurais pas le temps de les placer les 1400, mais je vais essayer d'en mettre le plus possible quand même. Merci Scorpion pour le prime, bienvenue par ici. Il est déjà là? Ah, j'aurais peut-être pas le temps de déclencher mon piège. Non, attendez. Il arrive quoi. Tour, il... Ouais. Ok, ok, c'est pas grave, on va voir. 30 secondes. On va prendre le temps. Attends, mais il arrive sur moi là. Ok. Ah, mais enlève. Là, il veut pas enlever la. La base. Non! Oh, c'est alors, la merde. Tu peux reboucher, il arrive. Bon, bah, ce sera pour après. Mais du coup, ça va encore dupliquer les dynamites. Regarde, regarde le nombre de dynamites. Ah oui! Oh, le bug de duplication, il est extraordinaire, genre. Et en plus, si tu les ramasses pas, elles continuent à se dupliquer d'elles-mêmes. Ah oui, d'accord, ouais. Là, j'ai exactement sur moi 5404 dynamites. C'est pas j'en ai 603 en plus, c'est magnifique. Moi je prépare, hein, je tapisse le terrain du coup. J'ai vraiment trouvé le bug of all time quoi. Genre. Oh. Tapissez bien là, ouais, tapissez bien. Bon, moi je vous laisse tapisser moi. Je continue d'explorer. Ah ouais! Et avec ça il meurt pas. Alors piège plus dynamite, non là. On est obligé de s'arrêter là. Ok, vas-y, bon, j'ai mis les. J'ai mis les câbles. Ouais. Maintenant je vais mettre le levier. Moi, je mets et là je crois que si j'appuie. Je crois que si j'appuie ça pète tout. Hein. Alors, mais est-ce que si tu sais combien de temps ça prend tu vois, on peut faire un test si vous voulez hein. Je crois que le levier je le garde. On prend un morceau et mets-le à gauche, j'arrête. Ah c'est instant. Non vous avez pété mes trucs. Si tu fais un test, tu peux faire un 2, 3 que je m'éloigne. Pas avoir un écran. Non c'est que ça a pas pété toutes les dynamites. Si c'est moi qui l'ai activé là. Ah ok. Bah du coup, c'est quand je l'ai activé, ça l'a fait instant. Ouais, ça l'a fait instant. Bon, là, il est complètement à l'est. Le... C'est ok, on l'attend. C'est ok, c'est mettre okay. Du câble en dessous. Il n'y a pas encore assez de dynamite là. Merde, je me suis bloqué. Mais plus de circuits. Mettre plus de câbles. Oh non. Oh non. Sympa. Ah, ouais, parce que j'ai laissé le. Mais oui, mais j'ai laissé le levier allumé. Faut que vous éteigniez le levier en fait. Ah non, c'est pas ça. Mais ça fait pas tout détonner, hein. Ça fait détonner ceux qui sont avec des câbles en dessous d'eux, en fait, je crois. Oh, je suis tristesse, ouais, j'avais posé 200 dynamites déjà. Mais donc, je vais refaire des câbles. Vous inquiétez pas. En fait, il faut foutre le câble partout et mettre. Mais là, moi j'ai mis mes pièges, il arrive là. Faut mettre beaucoup de câbles parce qu'il y a beaucoup de dynamite. Oh merde, j'ai faim. Il est au sud-est. Tranquille, tranquille. C'est un rayon d'action limité, juste. Oh. Est-ce que du coup vous avez désactivé le levier là? Oui, j'ai désactivé, ouais. Ok, ok. Je viens juste prendre les résultats de ma mort là.
Je vais chercher à bouffer, j'ai faim. Enfin, je parle dans le jeu. Hein. Filer des champignons. Bien sûr. Ah, ouais, je veux bien. Bah, je te les ai passés. Je crois que j'ai peut-être super, un peu abusé. Merci. Du coup, faut qu'elle soit connectée. Oh. Ah, mais là, il va rien comprendre le bug, hein, je te le dis. Hein. Ah, mais nous non plus. Un rayon d'action, apparemment. Faut s'éloigner. Hein. Ouais, faut vraiment qu'on se mette sur le côté. Là où il y a le levier, en fait. Quoi. Je pense venez et là il va prendre une danse genre. Tu sais qu'il va tous nous one-shot hein. Mais non. Ah bon ? Bah, je pense oui. Mais bien sûr que non. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. En fait, faudrait qu'on puisse escape quelque part pour le chase un peu quoi. Ouais, c'est vrai que creuser un peu autour. Il y a un creuse, il y a un tunnel en haut là. Après il va creuser lui-même je crois aussi hein. Il arrive. Il arrive ? Bon regardez bien, DFG t'es un peu près je crois hein. Pardon. Attention, moment de vérité. Oh oui, oui. Oh non, il repart. Non. Oh non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, c'est voilà. Bon, là, il se bat, là. Hein. Et il y a les dynamites qui sont en train de se dupliquer, là. Merde. Mais j'ai 5 millions de dynamites. On jeu va crash. J'ai peut-être posé un tout petit peu trop de dynamites. Ah, mais il y a les dynamites qui partent en duplication infinie, là. J'ai mon jeu qui va crash. Ah, moi aussi, le jeu, il est en train de perdre des FPS, là. Wow. Non mais, non. La fuite mémoire, hein. La fuite mémoire de baiser qui est en train de se passer là. Il m'a mis un coup, je sais pas ce que c'était mais. Il m'a mis un coup fait plaisir. Et j'ai 2390 dynamite, mais tout va bien. J'arrive. Tout va bien. Il prend un peu. Hein. Bon, on ça, aucun problème. On nous avait dit beaucoup de dynamite. Ouais. Voilà. Oh, let's go. Magnifique. Bravo les amis. C'est bon, j'ai des stacks de 999 dynamite là. Je pense qu'on peut finir le jeu assez facilement. Ouais. On n'a plus besoin de pioche. Alors ouais, tu rigoles mais... Bah en vrai avec autant de dynamite, tu fais tout le jeu je pense. Et genre ça c'est trop puissant bah, la dynamite. Ouais. Y'avait quoi comme loot sur lui du coup? Lootez pas, j'arrive. En vrai ça c'est... Figurine de Gorm. Pas grand chose et globalement laissé. Ah ouais il ouais, y avait il un couvercle de casserole quand même pour bouclier. Il a pas un petit collier là? Il est mort. Non. Il a un sac estomac par contre, ça je le prends. Dégueulasse. Ah, il est mort tout en bas à gauche. Tu vois, je le casse, ça augmente les buffs de cuisine de 84%. Il y a une foreuse portative quand même aussi. Ouais, ça c'est bien. C'est fort. Ah, le sac c'est pas mal quand même. Ça vaut le coup de le tuer en boucle ce boss parce qu'il loot un sac qui est quand même assez OP. Hein. Ah, mais on peut le tuer en boucle. Tu peux le réinvoquer, ouais. Décédé. Super. Prenez ce qui vous plaît, hein. Servez-vous. À quoi ça sert de loot quand on a 5 millions de dynamite en fait. Il est où mon levier là? C'est un shield en fait. Ouais, c'est un shield, je crois, le couvert de casserole. Ah, c'est un shield. Hein. Ouais. Non, je peux pas le mettre là. Ah ouais? Ou un chapeau peut-être? Ouais, c'est un chapeau. Ouais. Hein. Je le laisse par terre. Là, tu l'as eu déjà. Il a détruit le levier, je crois. Aïe aïe aïe. Oh, le fumier quoi. Quel dommage. Et bien magnifique. Ah, il y a déjà plus rien. Ah alors ça oui, pouvait j'ai pas mieux se passer, je pense. Je pensais que qu'il non, fallait tout prendre. Du coup, j'ai pris tout ce qui est resté. Si, tu veux prendre la boîte. C'était par curiosité que j'ai regardé. On prend le coffre. Ouais, OK. Coffre de Gorm. Je me demande si le boss peut dupliquer d'autres choses que ça mais il veut déjà genre le fait qu'il juste passe dessus et ça duplique les items à l'infini, ça me fume quoi. Excellent. T'es bloqué à 201, je crois. Stack de 201. Ah ouais. C'est déjà pas mal, hein. Le bon exploit, hein. Parce que j'ai galéré à craft genre 6 dynamites, hein. On était vraiment à 6 au début, hein. Ouais, c'était le max qu'on pouvait faire, hein. Effectivement. Là, j'en ai juste 3 stacks de 9000, quand même. Mais... Je vais les mettre dans le coffre interdit, là. Hop. Le coffre interdit, le coffre à banni. Le coffre full dynamite. Alors, quelle singerie. Où est-ce qu'il est le coffre full dynamite? Il a pas dupliqué les pics non plus. Ça c'est vrai. Ici. Ouais. Pourquoi il duplique pas tout bon, hein? Ça je l'ai bien c'est... Pourquoi c'est bien une strat bien gaze en vrai? C'est pas si fort en vrai. Pas si fort. Juste la dynamite. Caca, il y a des gens qui ont cuisiné des trucs? Ouais, dans au-dessus de la marmite, il y a ce qu'il faut normalement. Si quelqu'un veut un petit sac et n'en a pas, voilà. Tenez. Ah, pas mal, le pudding. Un petit sac là. Je prends la pioche, en plus je l'ai mis en haut. Là.
Ah, nice. 5 emplacements de plus. Tu l'as pas mis finalement ta capuche DFG? Ah, non, t'as préféré mettre le. Je l'ai changé pour prendre la casserole. Quelle folie. Je trouve que ça. Il est en strat casserole là. J'allume ici. Ah oui, du coup, oui. D'accord. Massue à verre épineuse. Oh, c'est Astic Zouka. Je vais dire, c'est dur à dire. Idole de rappel. Ah, ça, c'est bien ça. Ouais, idole de rappel, c'est banger. Hein. Te ramène au noyau pour téléportation. Ah, et consommer au cours du processus. C'est bien, il y a tellement de choses. Effectivement. Le travail. Hein. On a tellement rien fait là. Bon, on a ah, la table de serrurerie maintenant, c'est nouveau ça. Ah, c'est pour ça que. Ah, pour ça, faire des clés, pour ouvrir les coffres. On peut pas ouvrir depuis le début. Ouais. Pas bien. C'est exactement ça. Établi de musique, t'as mis en fer, la table d'alchimie, le métier à tisser. Oh, attends. Est-ce que l'œuf est clos à un moment? Bah, il nous faut de l'électricité, on peut tester de faire ça. Ouais. J'ai envie de tester. Il faut un générateur. Donc, le générateur, on a dit que c'était du copper qu'il fallait à balle, je crois. Table d'électricité, c'est ça. Il me faut un gêné. Et vu que j'ai des câbles, ça devrait le faire. Hein. Où suis-je? Wow, ça y est, l'œuf, ça parle. Hein. Ah, trop bien. Oh, je veux voir. Moi aussi. C'est en cours, c'est en cours. Ah oui, ça va prendre du temps comme les plantes. Du coup, ouais, je redescends. Je sais pas combien, mais ça va prendre un peu de temps. Moi, je voulais retourner miner le fer, mais... En plus, on voit pas combien de temps ça va prendre. Il n'y a pas de petite barre de progression comme sur la bouffe. C'est bien dommage. Coucou, mon chien. Salut. Ah, ok. Ah. Très bien. Ah oui, dans la vraie vie, tu veux dire. Très bien. J'ai oublié qu'on était en live, pardon. Ah voilà. Hein. Est-ce que vous voulez Non, mais faites pas attention. Aucun jugement. Non, bien sûr. Bien sûr. Alors. Énorme canard, toi. J'ai une foreuse. Ça marche bien la foreuse. Le chine. Oh là, il y a des cafards maléfiques là où je suis, là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah non, pas du tout, c'est des sorciers. Des cafards maléfiques. Dans la lumière, bien vraiment on aurait dit. Très vite fait. Ah, ça, quand tu vois pas grand-chose, c'est un peu dur. C'est dans le brouillard, ouais. C'est quoi ça? C'est des pierres précieuses? C'est des pierres précieuses directement. Magnifique. Et ça, de l'or. Trop bien ça. Bon, l'œuf là. 30 minutes, un œuf avec l'or si jamais. Ah, 30 minutes ouais. Ah oui. Après, ah oui, non, mais si en fait il y a bien une barre de progression, juste elle est gigalante parce que ça dure 30 minutes. Il y a zéro van. Je suis trop triste, je voulais trop voir l'œuf. Trop sage. On pourra pas avoir d'animaux. On aura que notre mouton. Qui n'était pas vraiment notre animal, mais bon. C'est vrai. Il s'appelait mouton. Oui, bah. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Le four en terre cuite de fond de riz. Ça va être une singerie, ça. On n'a pas le. Les clés, hein? Non, les clés, c'est. Il faut des planches. De déblatérer des bêtises et abreuve-toi. Et les planches, je sais pas où est la scierie en fait. Je sais pas comment la crafter en fait. Un peu les problèmes. Par contre, on peut faire de l'or, ça y est. De l'or. On a que deux or. Il me semblait qu'on en avait plus. De l'or. Tellement déçu, quoi. J'ai trois or. Je peux revenir avec de l'or et du fer, mais. L'établi de musique pour la porte. Hein?
Ah ouais, il en faut pas beaucoup. Oh, mais j'ai établi de si musique. Loin. Il faut du oui, bois et de quand la fibre. J'ai fait, quand j'ai fait les réglages son, il y avait marqué audio, instruments musicaux joués par les personnages. J'étais là, bon, incroyable. Apparemment, il y a un établi de musique. Ouais, ça me parle, ça me parle. Ah ouais. Ah, mais ça, ça me parle pas du tout, moi. Ah, je t'ai bloqué. Non, je crois pas qu'on peut se bloquer. C'est, ça vient un truc que j'avais peut-être pas joué, mais j'avais vu le patch. Ah, moi, j'avais pas vu le patch du tout. Hein. Ah, quelle folie. Je suis un peu pressante, hein, désolé. Hein. Ah, c'est là. Alors, est-ce qu'on peut faire on fait de la musique l'or pour faire un flutio, il faut des barres de cuivre. Toujours pas. J'ai mis du cuivre à fondre. On peut pas faire fondre l'or, hein. Toujours pas. Hein. Où est-ce qu'il est? Oh. J'ai plus d'or. Oh, le concert privé. Oui, c'est incroyable. Ça. Mais incroyable. Ah, attendez, mais ça chante faux, là. Enfin, ça... Eh ben, c'est nous qui faisons au hasard. C'est pas terrible. Ah, vous faites au hasard avec le clavier? Ah ouais, ouais, ouais. T'as raison, mais touches, excellent. Ah bah attends, teste-le. Ah, merde. Mais quel talent. Si je lâche le vas-y. Ah, tu veux dire la flûte? Non, le violoncelle que je t'ai filé. Ah, pardon, pas fait exprès. Parce qu'elle puisse tester un peu. Merde, comment j'enlève? Tac. C'est quoi ce... T'as eu la flûte, Marie? Il y a un bruit, c'était pas un violoncelle. Non, non, effectivement. Et ben... Tu peux tester la flûte? Oh là. Tu es droit, Marie. Oh, waouh. Oh là. VNM, VNM. Hein? Ah oui. Attends, en plus, c'est du QWERTY, là. Oh, c'est... Il y a une possibilité exceptionnelle, hein, pour des vrais musiciens. Ah bah oui. Ah oui. Mais c'est incroyable. Et tu peux acheter des partitions aussi de musique, je crois. Ah. Pour genre, je peux tester Outboy, la flûte principal. Comment? Je peux tester la flûte? Ouais, tiens, vas-y. Ouais. Hop. Merci. Exceptionnel. Est-ce qu'on a des points de talent de musicien? Pas du tout. En air. Pas du tout. La mettre sur un pupitre permet de jouer la mélodie avec un instrument. Il faut un pupitre. Pupitre. Un pupitre. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ah oui, partition. Il y a tellement de nouveaux que trucs, genre. Ah oui, ok. Il faut de la fibre pour faire des partitions. Ok. Comment je lis ceci? Oh. Non. Une batterie. Bois, barre de cuivre, plaque de chenilleux. Putain, on n'a pas de chenilleux. Alors, on a une plaque de chenilleux. Deux barres d'étain, cinq de fibre. Est-ce qu'il en faut deux? Ouais. Comment est-ce que je... J'ai fait une partition, mais... On peut pas. Partition, la faut lire. La mettre sur le pupitre et après, je sais pas ce qu'il faut faire. Ah. Ça a marché. Ça a marché. Peut-être que si tu joues de l'instrument à côté. Mais je peux pas monter en fait. C'est ça, faut jouer de l'instrument de musique à côté de la partition et ça joue tout seul. Et ça joue pas faux. Magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, c'est que la partition est quand même un poil meilleure. Que qui? Que quoi? Que moi-même. Moi, ah, jamais okay, je n'oserais. Non, non, vous, c'était un délice pour les oreilles, évidemment. Merci, merci, merci. ZZXZ. Attends. Putain. Chat qui se... Ah mais t'es encore devant... Qu'est-ce que t'as fait? C'est un tuba, ça? Ah merde. Je vais leur ramener la partition parce que... Vraiment, mais... Hop. On dit rien. Personne a le thème interdit là?
C'est-à-dire ? Interdit. Le thème interdit, là. Celui qui fait un truc, genre... j'essaie de le retrouver depuis tout à l'heure, mais je galère. Il vient d'où, ce thème ? Chipset qui tape son meilleur au clair de la lune. C'est beau. Bravo. Il n'y a pas remarqué. Mais du coup, ça marche, les partitions, ça y est, là, non ? T'as vu ça ? Je l'ai posé devant toi et tu joues automatiquement. Ah ouais, mais d'accord. C'était une harpe. Je croyais que c'était un tuba. Fort bien. On me propose quelque chose, là. Bon, ça n'a pas l'air bon, ce qu'on me propose, là. Pose des problèmes. Hein ? Normalement, si tu cliques droit devant, ça joue. Oh, c'est pas clair ce qu'on me propose. Merde, j'ai raté. Bah, je vois ça. Hein. C'est un blind test, c'est ça ? Faut devenir la musique ? En blind test, je peux être chaud, je vais revenir. Ça m'intéresse. Putain ! J'ai l'apprentissage. Chier au piano, c'est ça le problème en fait. Moi le piano, je suis gaze. Si ça m'était présenté autrement, je serais meilleur. Mais le piano, je suis à chier. En plus, bon, on peut pas exactement appeler ça un piano. Bah en vrai, si, hein. Avec le clavier, bah, et les touches en QWERTY. Les touches un peu, en vrai. La disposition des touches, c'est totalement un piano, hein, je crois. Clairement, hein. Ah ouais. Bah, si t'es en QWERTY, du coup. Parce que là, moi, ça n'a rien à voir. QEY x 8. Ça veut rien dire, ça. Il est cursed, ce blind test, je reconnais, hein. Ah oui, non, si je l'ai, d'accord. Ah, je vais rentrer à la base. Ah oui, d'accord, ça commence vite et après ça va... Ouais, d'accord, ouais. Ah, mais c'est dur. Pas mal, pas mal. Merde, c'est incroyable. Dur, c'est trop dur. Trop quel bien. Musicien. Ah mais il me faut DFG là, bah il est là, ok d'accord. Bah, je suis là, je suis là. T'as reconnu du coup. Ouais, t'aimes le rap toi, non? Ouais. On a tous reconnu, on a tous reconnu. Je pense que même ma mère elle l'a ce coup-là. Extraordinaire. DFG veut poser, on me dit là. Il était parti là. Ouais, j'étais dedans là. Mais bon, t'as arrêté malheureusement. Moi je voulais faire le thème de JDG mais j'arrive pas à le retrouver là. Ah c'était ça le thème interdit. Le thème interdit. Aïe aïe aïe. Que quelqu'un me le poste dans le chat, pitié là. Qu'un pianiste me le donne là. Donnez-lui. Donnez-moi le c'est thème que je interdit. Je disais dans le jour, hein, l'audience, je disais. Il y a forcément un mec qui sera toujours là pour vous dire l'info dont vous avez besoin sur un chat Twitch, c'est fou. Okay. Là, il y a forcément un pianiste qui, en voyant ça, va pouvoir vous dire appuyez sur 3, E, R, machin pour faire une musique. Non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant qu'on puisse lui donner des musiques en direct et tout. Moi. NMWM. Attends, on peut. Ah non, t'es obligé d'appuyer sur les touches en plus. Bon, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait voir ? On a tué deux boss et on a fait de la musique. Là, je pense que ça compte. Je pars sur 6 heures de piano, fais ce que vous voulez après. Ah, j'ai compris que ça, c'est... j'ai compris qu'on s'en était là-dessus, là. Aïe, aïe, aïe. Bah, disons que le prochain non, oui, boss, effet, il est loin. Dire, il est loin, je sais pas s'il est atteignable. Il nous faudrait sûrement plus de stuff. Déjà, là, on a un peu de cheese, là, le deuxième. Chiffres, non, ouais. On va se faire allumer, ouais. OMG ? Quel cheese ?
Moi je vois pas de cheese, hein, franchement. Aucune zéro idée cheese. Ça a été expliqué. Il y a eu zéro cheese, je dirais. Tout a tout, été fait hein. De manière zéro. Legit. Totalement. Bien legit. C'est lui qui nous les a offertes. Bien legit. Bah écoutez, si vous voulez qu'on se laisse sur ce concert privé. C'était incroyable. C'est parfait, hein. J'avoue que j'aurais bien aimé que tu chantes TFG, mais bon. Ah. Ouais, c'est pas. Ouais, non. Tu le fais bien quand même. Il est incroyable. Franchement, tout le monde l'a dans la tête maintenant. Oui. Magnifique. Bon, bah non, mais très cool. Moi, je suis content d'avoir joué avec vous. Franchement, j'aime trop ce jeu. Ouais. Trop j'avoue, belle découverte. J'ai bien aimé. C'était très sympathique. Si vous voulez le faire en full, ça prend du temps. Hein. Ah ouais, c'est combien de temps après ? Défini du temps ? Bah, sur l'Early Access, moi j'avais joué 20h à 4. Ouais. Mais c'était il y a deux ans et demi. Je pense maintenant il y a plus de contenu. Hein. Donc je pense que tu vas avoir une soixantaine d'heures à mon avis si tu veux vraiment jouer bien quoi. Ok. Et en fait tout dépend de si tu joues avec des gens ou pas parce qu'en jouant seul t'as un peu plus à farmer quand même. Après tu farmes que pour toi donc techniquement tu te retrouves. Je dirais que tout seul c'est quand même ça dépend. C'est un peu plus long quand même tout seul je pense. Non. Bah, je sais pas. Moi je dirais que c'est plus rapide tout seul mais ça dépend de. Ah ouais. Bah, toi t'es un tryharder en fait pour ça. Ouais un peu. Personne à attendre quand t'es tout seul. Avantage. Ah ouais non. Mais c'était un plaisir et je tiens à rappeler que voilà, la 1.0 sort le 27. Pour celles et ceux qui sont intéressés dans le chat, vous avez normalement un lien sur sur chacune de nos chaînes si vous voulez vous intéresser à la page Steam, etc. Il est vrai. C'était un hashtag ad. C'était très cool. Je suis très content d'avoir joué avec vous. Ouais. Également. Cool. Très très sympa. Très sympa. Merci beaucoup à vous. Merci. Ouais. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. À bientôt. Ciao. 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 Ciao.